Donc, nous reprenons cet après-midi donc avec une table ronde sur le rôle de l'Union européenne sur les scènes régionales et internationales. Je pense qu'on a eu une première table ronde teintée d'une, on va dire, d'une dose un peu de pessimisme sur, et pour certains c'est un euphémisme, par rapport à la situation. Je pense que le pessimisme, on va dire, de certains, je ne sais pas si c'est de tous, c'est un pessimisme justement pour essayer de voir comment on peut sortir de cette situation, sachant qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a jamais de solution qui s'impose naturellement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas Europe contre non-Europe, et que la question, c'est quelle Europe, avec qui et comment. Si on prend la situation telle qu'elle se présente actuellement sur ce qu'on pourrait appeler la politique étrangère de l'Union européenne, pour être un observateur maintenant qui commence à avoir un peu vécu sur le sujet, je dirais que j'ai justement vécu la période enthousiaste à ce niveau-là, notamment quand il y a eu le traité de Maastricht, quand il y a eu après toutes les structures de la politique étrangère et de la politique de défense qui se sont mis en place au début des années 2000. Moi, dans le domaine que je connais le mieux, les questions d'industrie d'armement, c'était aussi le moment où il y avait la consolidation européenne. Et je dirais que c'est au moment où on a essayé de, on va dire, à la fois de parachever tout cela et en même temps conscient des difficultés, c'est-à-dire au moment où on a mis sur la table les bases de ce qui a été le traité constitutionnel et ensuite le traité de Lisbonne, c'est à ce moment-là en fait que la machine a commencé à s'enrayer. Bon, les difficultés, j'y reviendrai pas, hein, on les a citées ce matin. Il y a la question de la migration qui est une question de, à la fois intérieure au niveau de l'Union européenne, mais qui trouve également ses racines par rapport à la politique extérieure de l'Union européenne. Si on prend le seul exemple du conflit syrien, il faut bien dire que l'Union européenne est absente sur le sujet en tant que telle. Si on prend le dossier ukraino-russe, on a une sorte de consensus mou sur la question des sanctions. Après, si on passe à la question de la résolution de la crise, ben on passe au format Normandie, c'est-à-dire donc à la France et à l'Allemagne, pas nécessairement suivi par les partenaires européens, avec le risque à l'arrivée que ce soit finalement les États-Unis qui règlent cette crise. L'Europe a été peut-être un petit peu plus active sur la question du règlement de la crise nucléaire iranienne, tout au moins au début. Mais quand il a fallu, j'ai envie de dire, là aussi trouver la solution, ce sont quand même les États-Unis qui ont pris le leadership dans la négociation de l'accord. Si on regarde la question de la politique, par exemple, de la politique de voisinage, on a pu voir que ça a créé des tensions au sein même de l'Union européenne, puisque entre les différents services, on peut dire qu'il n'y avait pas nécessairement une cohérence totale à ce niveau-là, qui avait été dénoncée par Pierre Vimont. Et puis, en même temps, dans le traité de Lisbonne, il y a le SEAE, il y a le fait qu'il y a ce poste désormais à la fois de haut représentant et du vice-président de la Commission européenne, qui fait que normalement, on a théoriquement une force de frappe qui est beaucoup plus importante. En fait, je pense qu'un des problèmes, c'est le passage, j'irais à l'étape suivante, c'est-à-dire, et ça a été dit également ce matin, comment
comment on passe de l'intergouvernemental à des politiques qui soient plus intégrées, et sur quel domaine faut-il intégrer ces politiques. Il faudrait peut-être à un moment une sorte de discours sur l'état de l'Union européenne en matière de politique extérieure. Mais qui va le porter ? Et puis on est quand même dans une situation, il faut bien le dire, de déficit démocratique au niveau de l'Union européenne. Et puis la vraie question, c'est qu'est-ce que veulent les États ? Au fond, qu'est-ce que veulent les États ? Et le principal problème de l'Union, c'est sans doute les États en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Et je serais un peu pas provocateur, mais je dirais que le paradoxe, c'est peut-être qu'un des seuls États qui, au sein de l'Union, qui a une vision claire de l'Union, c'est les Britanniques. Et ça, c'est effectivement une situation qui est, j'ai envie de dire, qui est au passif des autres États de l'Union européenne. Et ça, je n'irai pas plus loin. Donc je vais laisser la parole aux différents orateurs sur ce sujet pour nous donner leur vision et puis également leur solution. Comment voit-il l'avenir, puisque je pense qu'il faut véritablement se projeter sur ces questions dans l'avenir. Je vais passer la parole à Manuel Lafont-Rapnouille, donc, qui est directeur du bureau de Paris de l'ECFR. Merci beaucoup. Donc, j'ai commencé à travailler sur ces sujets à un moment où ça allait déjà pas très bien, pour reprendre l'introduction un peu historique. Et je sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais en tout cas, c'est d'une certaine manière, c'est sans doute ça qui me permet d'être un peu plus optimiste que ce que j'ai compris que vous avez entendu ce matin. C'est peut-être un optimisme un peu moins ambitieux, mais je reste optimiste et j'espère que vous allez le voir à travers mon propos. La question, c'est quel est le rôle pour l'Union européenne sur les scènes régionales et internationales. C'est absolument le sujet sur lequel travaille le think tank dont je dirige le bureau à Paris, le European Council on Foreign Relations. Et la façon dont on le fait, c'est qu'on travaille sur à la fois l'Union européenne et les États membres. Parce que le rôle de l'Union européenne est limité par construction. La politique étrangère, c'est pas une politique unique. Et donc même quand il y a un accord des Européens pour une politique, cet accord n'est que sur une politique commune. Et elle n'exclut pas que les États membres fassent sur le même sujet d'autres choses par ailleurs. L'idée, c'est qu'ils fassent pas des choses contradictoires avec ce sur quoi ils se sont mis d'accord collectivement. Mais donc, le rôle de l'Union européenne, par construction, sur les sujets de politique étrangère, dans le système actuel, est circonscrit. Pour autant, l'Union européenne a un rôle en tant que telle, et en fait, on a l'impression qu'il se passe rien, alors qu'il se passe beaucoup de choses, et peut-être plus de choses. Elle a d'abord un rôle de représentation des Européens, par exemple au Quartet, aux côtés de l'ONU, des États-Unis et de la Russie, sur le processus de paix au Proche-Orient, c'est l'Union européenne, c'est la haute représentante qui siège. Alors la représentation, c'est bien, mais c'est plus un sujet diplomatique que de politique étrangère. Sauf que l'Union européenne, elle fait pas que de la représentation, elle négocie directement. Elle négocie sur les négociations commerciales, ce qui, du point de vue français, est pas toujours de la haute politique étrangère, mais qui l'est du point de vue d'un certain nombre de nos partenaires, et qui peut l'être, y compris pour les Français qui régulièrement s'en rendent compte quand des sujets sensibles pour eux viennent sur la table. Mais c'est aussi l'Union européenne qui négocie sur l'Iran. Je ne suis pas sûr de partager complètement la lecture sur le rôle marginal à la fin de l'Union européenne, ne serait-ce que parce que les E3 plus 3 se sont mis d'accord pour que leurs représentants dans la discussion avec les Iraniens, jusque dans la phase finale, ça soit la haute représentante, ça soit l'Union européenne. Et c'est pas juste de la représentation et de la négociation, mais c'est aussi de l'action. C'est d'abord de l'action sur le plan financier, on le sait, et dans le monde actuel où il y a un manque de solidarité et d'engagement, c'est important de savoir que l'Union européenne est le premier bailleur en matière d'aide au développement ou en matière d'aide humanitaire, mais elle agit aussi avec des missions civiles, elle fait de l'observation électorale, elle fait de la construction de capacités, et y compris sur des missions militaires, peu ou prou du maintien de la paix ou de la consolidation de la paix. Cela dit, tout ça est évidemment pas suffisant. On le constate tous les jours, il suffit de regarder l'actualité. Et donc la question est, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse ? La version a minima, pendant assez longtemps, qui était celle qui dominait, c'était ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est le voisinage. C'est une idée aujourd'hui ébranlée que le meilleur terrain pour l'Union européenne, c'est sa capacité d'attraction sur son voisinage, avec l'idée qu'on va faire évoluer
pays voisins avec des incitations positives. On leur promet une relation particulière, un accord d'association, voire pour certains une perspective d'adhésion, une politique de coopération très forte, les fonds structurels, une libéralisation des visas, du commerce, un appui aux réformes. Et l'idée, c'est que ces liens économiques, ces liens fonctionnels créent de l'interdépendance à terme de la coopération et on stabilise le voisinage. On s'est stabilisé de cette façon en Europe. On peut stabiliser notre voisinage comme ça. La première limite, c'est que ça a conduit les Européens à se désintéresser, ou ça a justifié la persistance du désintérêt des Européens pour les régions plus éloignées. L'Afrique subsaharienne, l'Asie, le Pacifique, l'Amérique latine. La deuxième limite, c'est que, il suffit de regarder l'état du voisinage de l'Europe aujourd'hui. Selon l'expression consacrée, l'Europe voulait avoir un anneau d'amis. Elle a un anneau en feu aujourd'hui autour d'elle. Mais la limite encore plus que ça, c'est que, pour tout le monde sur la scène internationale, cette stratégie qui a l'air comme ça, pleine de bonne volonté et non confrontationnelle, ne l'est pas. Et clairement, la réaction de la Russie sur les liens que les Européens ont cherché à construire avec l'Ukraine est un bon exemple. Donc, mon sentiment, c'est qu'on a besoin d'une Europe beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus affirmée. Et on est dans un moment où, justement, ce fameux désordre stratégique international fournit plusieurs motifs de prise de conscience. L'Ukraine, c'est pas juste le retour de la guerre en Europe, parce que même avec mon ancienneté limitée, je me souviens que la guerre était en Europe il n'y a pas si longtemps, dans les Balkans. Mais c'est le retour sur la scène internationale des guerres d'annexion du territoire d'un État voisin. Et ça, par contre, on ne l'avait pas vu depuis longtemps, et pas seulement en Europe. La crise des réfugiés aussi, c'est intéressant. La crise des réfugiés, c'est une façon dont on travaille en réseau avec plusieurs bureaux partout en Europe à l'ECFR. Et je vois bien que... Alors, j'espère que mes collègues prennent pas leurs désirs pour des réalités, mais on voit partout une conscience plus aiguë de l'importance de crises comme la crise en Syrie, par exemple, du fait qu'on constate que les crises extérieures ont des conséquences internes. La crise des réfugiés, c'est une plus grande conscience que la politique étrangère, c'est important parce que l'interne et l'externe sont liés. Et on ne peut pas juste avoir une attitude d'endiguement ou sur le thème « tout ça est loin, c'est pas grave, ne nous en préoccupons pas et ça ne s'occupera pas de nous ». Le terrorisme, évidemment, c'est un des réveils qu'on perçoit très clairement en France. C'est pas forcément celui qui joue le plus ailleurs en Europe, mais ce qui s'est passé à Bruxelles contribue à aussi avoir cet effet-là. Et puis, plus loin derrière, en arrière-plan, parce que c'est plus diffus, c'est plus lent, c'est un sujet de plus long terme, mais c'est aussi quelque chose dont on voit la traduction de façon de plus en plus concrète, c'est qu'on est dans un monde, un système international en transition, avec des nouveaux sujets de relations internationales, des nouveaux sujets à régler sur la scène internationale, et pas juste chacun dans son coin, et l'émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles puissances, pas seulement des États, et le repositionnement des États dans ce contexte-là, la démultiplication des institutions internationales, bref, un ordre qui se redessine et dans lequel les Européens doivent non seulement trouver une place, mais aussi voir si cet ordre va se dessiner avec une vision qui est cohérente avec ce que sont nos intérêts et ce que sont nos principes. Pour répondre à ça, on ne peut pas se contenter de rêver que c'est l'Union européenne qui va le faire avec plus d'intégration et moins d'intergouvernementalité, parce que c'est des problèmes immédiats et plus d'intégration, c'est un effort à moyen et long terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pousser dans cette direction, mais on a besoin aujourd'hui de travailler avec les deux pieds dont on dispose, le pied Union européenne et le pied des États membres. Et si on regarde à cette échelle-là, on s'aperçoit que l'Union européenne fait des choses autour desquelles on peut construire. Des pays ou, a fortiori, des régions qui sont des fournisseurs, des contributeurs positifs de sécurité internationale, vous n'en avez pas tant que ça. L'Europe le fait, elle agit, y compris militairement, au service évidemment de ses intérêts, mais aussi de la paix, des mandats des Nations Unies, notamment mais pas seulement en Afrique subsaharienne. Elle a une capacité d'action en dehors de sa zone, en dehors de l'Europe. Elle a une vraie réactivité, une capacité de projection, une capacité d'entrée en premier et une autonomie stratégique pour le faire qu'il faut préserver.
On a en plus de ça une vision élargie de la sécurité. En fait, avoir une vision purement militaire de la sécurité, souvent, c'est avoir de gros problèmes sur la définition et la mise en œuvre de votre stratégie. C'est pas le cas des Européens. Alors, quand je suis ailleurs qu'en France, généralement, j'insiste sur l'importance de la dimension militaire, parce qu'en Europe, c'est quand même souvent ça qui fait défaut. En France, j'ai plutôt tendance à insister sur le fait qu'il n'y a pas que le militaire. Mais dans les deux cas, ce qui est intéressant en Europe, c'est justement l'équilibre qu'on peut chercher là-dessus, avec un spectre en fait assez large. On peut faire de la coercition, de la sécurité dure, avec des moyens non militaires. L'Europe est en train de découvrir l'intérêt et l'utilité que peuvent avoir, par exemple, les sanctions. On peut faire des missions civiles, on peut faire des missions militaires, et on peut faire les deux. L'OTAN ne sait pas vraiment faire ça. L'ONU sait le faire, mais dans des contextes très particuliers, avec un cadre très particulier. Les Européens, aujourd'hui, le font, simplement, ils le font à une petite échelle. Ils ont un problème pour le faire à une échelle plus grande. Donc, ils travaillent avec les autres, notamment avec l'ONU. Ça serait sans doute bien de pas être coincé par ça. La justice pénale internationale, l'idée qu'on peut avoir une action diplomatique en matière de sécurité. L'accord sur l'Iran est un exemple. Le rapprochement entre la Serbie et le Kosovo en est un autre. Et puis, à l'échelle globale, l'Europe est un acteur multilatéral décisif. C'est elle qui porte les Nations Unies. Sur le plan opérationnel, le budget, les contributions en troupes, soit directe, soit indirecte, avec des missions en appui des opérations de maintien de la paix sous casque bleu. C'est elle qui porte l'ONU politiquement. La plupart des initiatives, y compris au Conseil de sécurité, viennent des Européens. L'engagement diplomatique pour le climat a raté, mais c'était déjà les Européens à l'époque qui avaient essayé avec Copenhague, a réussi cette fois-ci avec Paris. C'est elle qui le porte aussi juridiquement, pour avoir un ordre qui soit construit sur des règles, et pas juste sur du rapport de force. La CPI, le traité sur le commerce sur les armes, si l'Europe n'était pas derrière, ne tiendrait pas la route si longtemps. Et l'idée d'aider les autres régions à se doter, elles aussi, d'architecture collective, régionale, notamment l'Afrique. Alors, tout ça, c'est très positif. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire. Où est-ce que je vois des marges de progrès? La première chose, c'est la vision que les Européens doivent avoir de leur rôle, une vision plus stratégique. Je suis frappé dans les discussions que j'ai avec d'autres Européens, ici et ailleurs en Europe, de l'idée que la tentation que l'Union européenne est gentille et de bonne volonté et donc peut être un acteur neutre, un peu comme l'ONU. L'UE doit évidemment soutenir l'ONU, mais il ne faut pas qu'elle se prenne pour l'ONU. Elle doit faire autre chose. Elle ne peut pas prétendre que sa contribution sur la sécurité internationale soit juste la stabilisation et la reconstruction. C'est évidemment des créneaux importants, délaissés par les autres grandes puissances, mais notre force viendra de ce qu'on est capable de faire tout, pas juste de couvrir cette partie-là du spectre. On a une certaine naïveté. Je prends un exemple sur la crise des réfugiés. On a une double naïveté, et paradoxale. À la fois, on est naïf de croire que l'Europe forteresse est une réponse aux flux migratoires. Évidemment, ça ne marche pas, on le constate. Et on est naïf dans notre fermeté, entre guillemets, et on est aussi naïf dans notre gentillesse ou notre bonne volonté, puisqu'on essaye de trouver une solution purement européenne à une crise qui est d'ordre mondial. Qui a un niveau historique, c'est pas juste une crise au Moyen-Orient, mais c'est pas juste une crise en Europe non plus. C'est une crise mondiale et on a besoin d'aller voir les autres et de leur dire, il faut que vous contribuiez, vous aussi. Ça, c'est la première marge de progrès. La deuxième marge de progrès, c'est sur l'idée qu'on doit avoir une ambition mondiale. Justement, on doit arrêter d'être obsédé uniquement par le voisinage. Il faut pas se faire d'illusions sur les capacités des Européens. N'importe quelle puissance aujourd'hui, aucune puissance ne peut peser sur l'ensemble des affaires dans le monde entier. Mais il faut être conscient que les affaires internationales, dans leur globalité, ne peuvent pas nous être indifférentes. On peut pas s'occuper uniquement de ce qui nous entoure. La mondialisation et l'interdépendance qui va avec, c'est pas l'idée que le voisinage est moins décisif qu'avant, il l'est toujours autant, mais c'est l'idée que ce qui est lointain est plus directement influent encore qu'auparavant sur notre situation stratégique, mais aussi sur notre vie quotidienne. La troisième marge de progrès, c'est l'efficacité. Et l'efficacité, souvent en Europe, on dit « Ah, le problème des Européens, c'est qu'ils n'arrivent pas à prendre des décisions ». Très, très bon exemple, la crise des réfugiés. Il y a clairement une difficulté à prendre des décisions, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est la difficulté à mettre en œuvre les décisions qui sont prises. J'ai dit tout à l'heure que l'UE avait un rôle de représentation. Je suis ravi que l'UE soit au quartet avec les États-Unis, la Russie et l'ONU, mais comme le quartet ne sert à rien,
et n'arrive pas à faire avancer le processus, ça sert à rien de défendre mordicus le quartet et la place de l'Union européenne au sein du quartet si c'est pour que le quartet accompagne l'inaction. Donc on a un sujet d'efficacité, et pour traiter cette efficacité, on a un problème sans doute d'anticipation et un problème de cohérence. On a besoin aussi de progresser, c'est le quatrième point sur les marges de progrès, sur les progrès, la construction institutionnelle. Le SEAE a déçu, justement sur sa capacité d'anticipation, sur sa capacité d'impulsion, sur sa capacité de créer un cadre stratégique dans lequel les actions des États membres à titre national peuvent trouver leur place plus facilement. L'articulation avec la Commission n'est pas encore ce qu'on espérait qu'elle soit quand on a fait Lisbonne, alors que de nombreux sujets importants pour les questions internationales restent communautaires. Et puis on a toujours les blocages sur l'Europe de la défense. Il y a un panel là-dessus tout à l'heure, j'espère qu'on en parlera. Mais typiquement, les structures de planification, les structures de commandement ou le rôle de l'Agence européenne de défense en matière industrielle, on sait tous ce qu'il faut faire depuis des années. Ça serait bien qu'on avance. Et pour avancer là-dessus, on a deux conditions politiques, c'est mes deux dernières marges de progrès. La première, c'est le leadership. Un des pays qui a une politique étrangère très active, c'est la France, mais c'est la différence entre l'activisme et le leadership. Vous faites des choses tout seul, c'est très bien, mais si vous n'avez pas de capacité d'entraînement, si vous n'avez pas de traction sur le reste, il ne faut pas vous étonner de vous retrouver tout seul. Donc l'activisme ou l'activité et la détermination ne suffisent pas à faire du leadership en politique étrangère comme sur autre chose. Les Britanniques sont dans un recul confirmé. On ne sait pas ce que le Brexit donnera, mais d'ores et déjà, ils sont dans une situation très discrète. Et on se retrouve avec une affirmation à leadership allemand qui est plus par défaut qu'autre chose. Et le leadership par défaut, ça ne marche pas très bien. Donc on a besoin de trouver une solution. Et on a besoin de trouver une solution sans doute autour de ces trois États, mais dans un système qui marche avec les autres. Pas dans un système où ces trois États, où ceux-là et deux autres, par exemple dans le format du Quint, prennent des décisions et pensent que les 23 autres vont suivre. On a besoin d'avoir un système qui marche à 28 et avec la haute représentante. Et le deuxième sujet politique, c'est qu'il faut qu'on mette nos affaires en ordre. On a besoin de régler la crise de la zone euro de façon beaucoup plus décisive qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. On a besoin de sortir de l'espèce de parenthèse d'enlisement créé par l'hypothèque du Brexit. Et on n'a pas juste besoin de régler ces problèmes-là, on a besoin d'avoir un projet commun et de relancer une dynamique autour des idées assez simples de coopération et de solidarité. C'est ma conclusion. On n'a fondamentalement pas le choix. Les Français eux-mêmes s'en sont rendus compte. Après les attentats de novembre, ils sont allés à Bruxelles en disant « Article 42.7, on a besoin de solidarité militaire des Européens ». Les Français se rendent compte que les choses, on ne peut pas faire tout seul. Même la France, qui pense qu'elle a un outil militaire digne de ce nom, une politique étrangère digne de ce nom, etc., a besoin de la solidarité des autres. On a besoin de construire quelque chose en avançant sur nos deux pieds. Pour avancer sur nos deux pieds, il faut intégrer mieux les deux dimensions et arrêter un système dans lequel on joue l'une ou l'autre par défaut. On fait à titre national parce qu'on n'a pas envie de s'embêter de convaincre les 26 autres, ou on fait au niveau européen parce que parler de droits de l'homme aux Chinois, c'est un peu compliqué, on préfère que ça soit l'UE qui le fasse. Comme ça, à titre bilatéral, on peut faire autre chose. Et dernier point, on a besoin d'idées, on a besoin d'une stratégie. Si on n'a pas de stratégie, eh ben on va subir le désordre, parce que le désordre, lui, il est là et il a plein d'idées pour nous. Voilà, merci. Merci pour cette présentation qui, je pense, a bien rebondi sur l'introduction que j'avais faite. Je vais passer la parole à Calypso Nicolaïdis, donc, qui est visiting professeur au CERI à Sciences Po et professeur de relations internationales à l'Université d'Oxford. Merci et merci de... Merci de m'accueillir ici, parce que moi, je suis une pauvre Française exilée en Angleterre. Alors, vous pouvez imaginer comme c'est dur ces derniers temps. Et c'est vrai que d'habitude, je passe ma vie à expliquer à nos amis les Anglais, y compris mon mari et mes enfants, qui sont autant Français qu'Anglais quand même, que il faut rester en Europe. L'Europe, c'est génial. L'Europe vous aime. L'Europe a besoin de vous. Même si, quand je dis l'Europe vous aime, j'y crois qu'à moitié. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que étant ici en France... j'ai envie tout d'abord, comme en guise d'introduction à notre conversation sur le rôle de l'Europe dans le monde, j'ai envie de dire avec les Anglais, mes amis.
Et j'ai d'autant plus envie de le dire et de le répéter parce que ce matin, j'ai encore senti ce trop français, pas chez tout le monde. Mais quand Jean-Pierre nous dit à l'instant, en guise d'introduction, les Anglais, ben oui, eux, c'est les seuls à avoir une vision claire. Toi, Jean-Pierre, je dis pas que c'est forcément ce que tu pensais, mais j'ai vu des sourires dans la salle. Il y a toujours un peu cette idée, oui, ils ont une vision claire, ils savent que tout ce qu'ils veulent, c'est le grand marché et le libéralisme, etc. Et ça, c'est tellement ce qu'on entend en France. Or, en réalité, et Manuel vient de le dire à l'instant, d'ailleurs, je suis sur le council de ECFR, donc vous ne vous étonnerez pas que nos idées sont assez partagées. Mais ces jours-ci, quand on entend Cameron, on a l'impression qu'un Français tomberait des nues. Mais c'est la défense la plus passionnée de l'Europe comme multiplicateur de puissance, power multiplier, ils disent les Anglais, que vous ne l'entendrez même pas sur la place de Paris. C'est vrai que les Anglais, quand ils envoient des avions en Syrie, comme ils ont finalement décidé de le faire, ils aimeraient bien qu'il y ait plus d'Européens qu'ils fassent avec eux. C'est vrai que les Anglais, quand ils vont en Libye avec la France, bon, ils auraient aimé être un peu plus cohérents avec eux-mêmes et rester un peu plus longtemps et empêcher que ça devienne a big mess, comme ils disent. C'est vrai que les Anglais, ils réussissent pas toujours quand ils interviennent dans le monde, de même que la France. C'est bien partagé entre nous. Mais il faut quand même reconnaître la chose. Il n'y aurait pas de politique étrangère de l'Europe sans le couple franco-britannique. On ne le dit pas assez quand même à Paris. Donc je pense qu'il faut le dire très très clairement. Ceci dit, effectivement, Jean-Pierre a complètement raison, et tous les panélistes ce matin l'ont dit d'une façon ou d'une autre, enfin pas tous d'ailleurs. Il faut arrêter de penser les débats européens sur tu veux plus d'Europe ou tu veux moins d'Europe. Justement, on est tous en train d'essayer de repenser l'Europe au-delà de cette alternative. Et ça, c'est super. Moi, ça fait depuis toujours que je le dis. L'Europe, c'est une troisième voie. C'est pas vous êtes avec moi ou sans moi. Et je pense que là-dessus, les Britanniques ont beaucoup à nous apprendre. Pas seulement, Manuel l'a dit, oui, l'Europe, c'est circonscrit. On peut pas, soyons réalistes, elle peut pas faire tant que ça ou elle est un bouc émissaire. Mais parce que en Angleterre, parce que c'est un pays pluraliste, il y a beaucoup plus cette capacité à penser la diversité. Notre conférence aujourd'hui s'appelle « L'Europe face au désordre stratégique ». Et quand on y réfléchit en cybernétique, quand il y a désordre, on n'y oppose pas l'unité, on y oppose la gestion de la complexité, on y oppose la gestion de la diversité. Et qu'est-ce que c'est l'UE si ce n'est cette gestion de la diversité ? Mais ça, c'est très difficile pour nous, les Français, jacobins, rousseauistes, de penser la diversité. Et très souvent, quand on parle de politique étrangère, il y a cette sorte d'obsession, ce que j'appelle l'obsession de l'un, quand on est en France. Ah, si on pouvait avoir une seule voix pour l'Europe. ECFR, d'ailleurs, au départ, c'était le slogan d'ECFR. Je me suis beaucoup battue contre. L'idéalisme européen va se placer dans le discours sur une voix. Comment voulez-vous faire une voix ? Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure. Non, il a posé la question. Que veulent les États ? Les États, ils veulent tous quelque chose d'un peu différent, suivant s'ils sont nord au sud, à l'est, à l'ouest, plutôt pro-américain, plutôt à côté de la Russie, un passé méditerranéen ou pas, un passé colonial ou un passé occupé par l'impérialisme. Il ne faut jamais l'oublier, on a plein de pays coloniaux en Europe, mais on a aussi l'Irlande, la Grèce et les pays de l'Est qui ont été de l'autre côté. Des États plutôt protectionnistes à la française, plutôt moins, plutôt droits de l'homme, plutôt pas, suivant si t'es scandinave ou pas, etc. C'est ça l'Europe. Et donc c'est pas étonnant qu'en fonction de ce qu'on est comme État, de son histoire, de sa tradition, de son voisinage, de sa géographie, comme État ou comme ville d'ailleurs, ou comme toutes sortes d'autres entités en Europe, mais l'État compte, il faut jamais l'oublier. Lisez Pascal Boniface, écoutez Francis Wüst tout à l'heure. Bon, on n'y revient pas. Mais, et contrairement à ce que disait Gaspard, les États comptent et ces États, ils sont divers. La grande question qui se pose par rapport aux États dans les relations internationales, c'est est-ce qu'ils sont ouverts ? Pas s'ils existent ou pas, mais est-ce qu'ils sont ouverts ? Est-ce qu'ils sont capables de travailler avec les autres ? Or donc, notre Europe, elle est faite de tous ces États super divers et qui essaient quand même de s'asseoir autour d'une table et de décider certaines choses en commun. Alors, leur demandez pas d'avoir une voix. En tout cas, ils peuvent avoir une voix... Un seul message avec plusieurs voix, des voix avec des accents différents, un message avec des accents, et parfois même des messages un peu différents. C'est important.
On a super bien réussi à Paris sur le climat en décembre. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas seulement Tubiana et les autres, une équipe française extraordinaire, mais chacun faisait son truc. Ceux qui avaient perdu à Copenhague, ils se sentaient tellement mal, ils faisaient leur truc avec leurs amis. Les Espagnols, ils parlaient aux Latino-Américains, etc. C'est grâce à nos voix multiples qu'on a réussi Paris sur le climat. Et je pourrais donner beaucoup d'autres exemples. Ça ne veut pas dire que parfois, ce n'est pas bien d'avoir une seule voix. Par exemple, dans le commerce, Jean-Pierre en parlait. Oui, là, oui, c'est bien. Pour faire poids vis-à-vis de la Chine, il faut avoir une seule voix. Donc, on pourrait avoir une très longue conversation si vous étiez en cours avec mes élèves. Je vous embêterais énormément là-dessus. Décidons quand est-ce que c'est bien d'avoir une voix, quand est-ce que c'est bien d'avoir plusieurs voix. Mais ne partons pas de dogmes, les dogmes de l'unité. Ne disons pas, j'ai parlé d'une voix, ne disons pas un modèle, le modèle européen. Et notre vocation sur la scène multilatérale, c'est de vendre le multilatéralisme, c'est de vendre la coopération. Et donc, nous, en Europe, nous sommes un modèle de la gouvernance transnationale. Bon, c'est un peu vrai, mais ne nous appelons pas nous-mêmes un modèle. Au pire ou au mieux, on est un laboratoire où on fait des erreurs aussi bien que des progrès. Parce qu'on ne peut quand même pas regarder l'Europe aujourd'hui et dire aux Brésiliens ou aux Indiens ou aux Chinois que nous sommes un modèle. Wake up and smell the coffee, comme ils disent chez nous, de l'autre côté du Channel. Non, mais on peut être un laboratoire humble et qui a conscience de ses limites. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup à donner au monde. Mais on peut le donner si on a conscience de l'importance de gérer notre diversité, de l'humilité qui vient d'être une puissance postcoloniale, d'avoir le passé que nous avons eu, et de l'humilité qui vient de toutes les erreurs que nous faisons en essayant de développer ce modèle extraordinaire de coopération transnationale. Donc oui, Manuel, en fait, on peut avoir une vision mondiale, mais c'est celle d'un modèle très humble, et surtout, pas forcément d'un modèle, mais d'un laboratoire. De même, on parlera tout à l'heure d'une armée. On va peut-être entendre « il nous faut une armée », mais non, tout le débat, c'est comment coordonner nos armées, comment acheter ensemble, etc. Ce n'est pas de créer une seule armée européenne qui nous transformera en une sorte d'État-nation État-nation, oui, d'ailleurs, comme les États-Unis, capable d'aller dans le monde et de dire « nous allons tuer l'autre ». Non, ce n'est pas ça l'Europe. Et donc, si vous acceptez un moment avec moi, et je sais que ce n'est pas évident, de dire « attention, dépassons l'obsession de l'un », eh bien, je dirais que j'ai déjà donné quelques pistes, mais je voudrais en rajouter quelques autres. D'ailleurs, pour vous rappeler à tous que Federica Mogherini, une femme super qui est à la tête, comme vous le savez, du European Action Service à Bruxelles, a eu la grande intelligence d'écrire, de développer une nouvelle stratégie pour l'Europe. C'est un papier, mais c'est un papier autour duquel on parle, donc c'est important. On se consulte tous, on en discute beaucoup. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui contribuent à cette réflexion, et tout le monde le peut. Et moi, ce que j'ai dit à Federica et à d'autres collègues à Bruxelles, c'est une façon de penser tout cela, c'est d'essayer de penser à deux publics auxquels on ne pense pas assez quand on développe toutes ces idées stratégiques en Europe. Ces deux publics, c'est un, mes étudiants, les jeunes, ceux qui, à long terme, seront les sujets de tout ça, et deux, les non-européens, le reste du monde. Qu'est-ce qu'ils diraient? Quelles sont leurs voix à eux? Pensez leurs voix à eux. Et quand on pense à leurs voix à eux, eh bien, on doit se dire que, d'abord, premièrement, ça va de source pour les jeunes, eh bien, il faut une politique étrangère qui est dans la prévention, dans le long terme. Et ça, c'est très dur à dire, parce que quand on fait de la prévention, on n'a pas de headlines. Il ne se passe rien. C'est juste qu'il n'y a pas de guerre. Alors, comment est-ce qu'on peut dire « j'ai gagné » J'ai réussi à prévenir quelque chose de mal. Très difficile à vendre. Mais l'UE peut le faire parce que l'UE est moins démocratique ou différemment démocratique que les politiques. Et donc, il faut en profiter de ce déficit démocratique pour pouvoir penser long terme, pour pouvoir penser les générations futures si les générations actuelles ne veulent pas dépenser de l'argent pour l'action préventive. Deuxièmement, il faut penser aux citoyens. Moi, je ne fais pas la tarte à la crème que ce soit une politique étrangère basée sur les citoyens. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les États comptent. Mais, quand même, il faut une politique étrangère qui tienne compte avant tout des citoyens des autres pays, qui leur donne du pouvoir. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on est l'UE? Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde l'Ukraine ou l'Égypte ou... Du moment qu'il y a des élites qui disent plus ou moins ce qu'on aimerait qu'elles disent, eh bien, on dit OK. Je fais très gros. Hein. Mais donc, il faut penser... Et aujourd'hui, quand on gère l'après-printemps arabe, on pourra en reparler énormément, c'est aussi ça une des clés. Troisièmement, la mémoire. Je l'ai dit très rapidement. N'oublions pas que le reste du monde
nous voit comme une puissance postcoloniale. Les éco-postcoloniaux sont alive and well. Quand on regarde comment l'Europe négocie encore aujourd'hui avec l'Afrique, mais c'est incroyable le paternalisme dans le discours et dans l'action, dans notre façon de savoir quel modèle économique s'applique le mieux à leurs échanges. Et à nouveau, on pourrait en parler, on a eu plusieurs thèses là-dessus à Oxford, on pourrait en parler pendant des heures. Quand on parle de notre neighborhood, de notre politique du voisinage, Manuel a raison, c'est pas la seule chose qui compte. Mais qu'est-ce qu'on a merdé en Ukraine? Et pourquoi? Parce que... Oh, excusez-moi de mon langage. Mais les femmes ont tous les droits. C'est pas des vrais Britanniques. Pourquoi? Parce que... Comment on pense l'Ukraine? Comment on pense la Russie? Pascal Boniface le dit, Francis l'a dit tout à l'heure, ça a été dit. Mais je vous le résumerai comme ça, en disant, voilà, on a un modèle. On vous donne plus d'accès si vous faites plus de convergence. Hein, d'accès à des visas, et puis à membership au long terme. Mais ça ne marche pas comme ça dans les autres États. Ils inventent leur propre destin. Et deuxièmement, avec la Russie, tout ce qu'on est capable de faire, c'est penser en termes de sphère d'influence. Comme si on était au 19e siècle. Alors nous, on est une sphère d'influence par invitation, soft, jolie, sympa, attractive et tout ça. Enfin, pas si attractive que ça. Mais on est quand même une sphère d'influence. Non, c'est pas comme ça qu'il faut penser la chose avec la Russie. Ce matin, des choses très sages ont été dites là-dessus. Quand il s'agit d'intervenir, autre sujet, ou bien... On le fait très mal, c'est la Libye, ou bien on le fait pas du tout, c'est la Syrie. Ou bien, et sinon, on a tendance à dire, voilà, on laisse les Américains faire les pots cassés et nous, on répare la vaisselle. Non, il faut penser à un entre-deux, une intervention intelligence, une intervention justement préventive, et on peut y revenir. De même que quand on promeut la démocratie, la règle du droit, etc., il faut demander à l'autre comment il le conçoivent. Il faut demander à l'autre qu'est-ce que c'est qu'un droit, non pas à créer une démocratie comme la nôtre, mais un droit à la politique, comme dirait Hannah Arendt. Comment est-ce que l'Europe défend un droit à faire de la politique dans le monde entier, sans être des interventionnistes, impérialistes et paternalistes? C'est pas facile, c'est des questions, c'est pas évident. Et finalement, mon dernier exemple, quand on travaille avec les autres régions du monde, Mercosur, SADC, ASEAN, etc. Quand on travaille à l'émergence d'un monde où il y aura plus en plus de coopération régionale, c'est difficile, on le sait, on le dit au reste du monde. Mais ne disons pas à ces autres régions, faites comme nous les Européens. On a gagné, on l'a bien fait. Et d'ailleurs, si vous adoptez nos standards et nos façons de faire, vous aurez plus d'accès au marché unique. C'est exactement ce qui se passe. Hein. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Cette coopération avec les autres régions, elle est bien, elle est prometteuse. C'est la clé des lendemains qui chantent. Mais à nouveau, il faut la faire dans tout le respect de l'autre, en se disant que ces régions, elles peuvent nous apprendre autant qu'on peut leur apprendre. Enfin, bref, tout ça, c'est un agenda difficile, compliqué, contradictoire même. Je suis sûre que j'ai dit 5 choses qui se contradisent les unes aux autres. Mais en tout cas, c'est pour moi ça la promesse qu'on peut faire à nos enfants et aux autres, les non-européens qui nous regardent, parce qu'on leur doit. Merci. Merci Calypso. Je pense qu'on a des échanges qui sont très riches. C'est ce qu'on dit généralement dans les colloques. Et c'est ce que je pense vraiment riche et sans doute d'ailleurs très compliqué. Parce que c'est quand même un sujet très compliqué. Et je pense que c'est aussi une des difficultés pour penser le futur. Avant de passer la parole à Enrico Letta, donc... ancien Premier ministre, vous le savez tous, doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po au Paris. Un petit message à passer, avant que je ne l'oublie, il y aura une pause café pour tout le monde à 16h, quand nous aurons fini cette table ronde, et donc jusqu'à 16h15. Enrico Letta. Merci, ravi d'être ici avec un autre ancien Premier ministre italien. Et j'ai cru comprendre que quand, Pascal, vous avez décidé d'aborder le sujet désordre, crise et tout ça, vous avez dit il faut les Italiens, là. Parce que donc, on est spécialiste et on est en condition de trouver les solutions, de s'adapter alors que, voilà. Et on est là. Je tiens un cours sur l'Europe dans le monde. Et je commence chaque fois mon cours... en disant aux étudiants qui, chez nous, à Sciences Po, viennent de Chine, de Vietnam, de Brésil, en leur disant, vous savez qui était Europa? Europa, dans la mythologie grecque, c'était une princesse de Phénicie. Donc, elle n'était pas européenne.
Elle était extra-communautaire, on dirait aujourd'hui. Il faut commencer, quand on parle d'Europe dans le monde, par se dire ça. Parce que l'Europe n'est pas européenne seulement. L'Europe est, voilà, on est dans le monde et on est dans cette idée globale, ou bien on n'est pas Europe. Ceux qui veulent une Europe toute retranchée dans des frontières qu'on pense être la seule possibilité de nous défendre d'un monde extérieur qui nous est ennemi, ceux-là ne sont pas européens et je ne pense pas qu'ils soient aussi conscients du fait que la vraie valeur européenne est vraiment la valeur d'être en condition de vivre le monde avec cette attitude. Et quand je cherche à décliner ce que, décrire ce que notre conversation de cet après-midi nous amène à penser, je me dis tout de suite, et je prends facilement la relève de ce que Calypso vient de dire, la question clé est celle de dire quelle est l'Europe dans 20 ans et dans un monde qui sera très différent du monde d'aujourd'hui, parce que le monde d'aujourd'hui est très différent de celui qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, la Chine, l'Inde n'existaient pas dans le monde. Il y a 20 ans, 30 ans, les pays, les grands pays émergents n'étaient pas là dans le monde. Il y a 20 ans, 30 ans, l'Europe, les États-Unis étaient le monde, étaient le centre du monde, étaient le monde. On était le 50% du monde, de l'économie du monde. Aujourd'hui, les BRICS, qui pourtant ont des crises très fortes, eux aussi, mais ils nous ont dépassés en termes de richesse. Et non seulement ils nous ont dépassés, mais naturellement c'est une course qui continue. Donc si on regarde le monde dans 20 ans, 30 ans, ce sera un monde dans lequel nous, les Européens, on aura le droit d'être au centre des décisions seulement si nous serons unis. Seulement si nous serons unis. Le siècle passé est un siècle dans lequel on a vécu avec l'idée qu'on était 4, 5 Européens qui, avec les États-Unis, étaient le centre du monde et que l'Occident était le monde. Et maintenant, on comprend que tout est en train de changer et qu'il n'y aura plus de place dans le monde de demain, là où les choses se décident, pour 4, 5 fauteuils européens. Ça, c'est mon point de départ. Et ce n'est pas un point de départ pessimiste. C'est un point de départ de réalisme, complet réalisme, parce que le changement de poids dans le monde est ce qu'on est en train de vivre. Il y a quelqu'un qui pourrait dire que les pays européens se divisent en deux groupes. Les pays petits et les pays qui n'ont pas encore compris être petits. Et je pense que c'est ça. Parce que même l'Allemagne, dans 15 ans, sera hors des premières 7 puissances économiques mondiales. Aujourd'hui, le G7, on est 4 Européens. Quand on participe aux rencontres du G7, c'est assez amusant. Autour de la table, il y a 9 personnes dans le club le plus exclusif du monde, 9 personnes, dont 6 Européens. Parce que on est les 4, plus le président de la Commission européenne, plus le président du Conseil européen. Donc 6 sur 9. Et on comprend très bien que cette image n'est plus l'image du monde d'aujourd'hui. Et ce ne sera plus l'image du monde de demain. Alors, mon premier point est ce point-là. C'est un point stratégique. Si l'on doit commencer à imaginer le monde dans 20 ans, ce monde, ce sera un monde dans lequel notre voix sera forte pour faire en sorte que les valeurs européennes, qui même dans la politique étrangère sont si importantes que ça, les droits humains, une idée de proportionnalité de toutes les outils militaires, de tout le reste, nos valeurs seront importantes et influentes seulement si nous serons unis et donc si nous serons capables, avec une masse critique forte,
d'être au même niveau des Américains, des Chinois. Je ne voudrais franchement pas, puisqu'on a parlé de COP21, et je partage tout ce qui a été dit, et on est ravis d'avoir vu le grand rôle que la France et l'Europe a joué là. Je ne voudrais pas que dans la COP32, nos enfants se trouvent à avoir une COP32 qui se déroule entre Memphis et Shanghai, et dans laquelle les Chinois et les Américains décident, et puis les Américains, qui sont plus proches de nous, nous communiquent les décisions qu'ils ont prises. Je pense que le futur, dans 20 ans, ça doit être un futur dans lequel nous, les Européens, on doit savoir qu'on a une grande responsabilité vers nous, mais aussi vers le reste du monde, parce que je pense que notre rôle est aussi celui d'être là pour chercher de faire en sorte que quelques-unes des décisions soient prises avec cette force de valeurs européennes desquelles nous sommes orgueilleux. On ne doit pas trop les overestimate, mais il faut quand même réfléchir sur leur force et leur importance. Et mon deuxième point, là, c'est que pour faire tout ça, ça semble aujourd'hui impossible, parce que les opinions publiques veulent exactement le contraire. Les opinions publiques, aujourd'hui, en grande partie, ou les partis qui sont les plus dans la montée, ils disent, bon, premièrement, frontières. Deuxièmement, souveraineté. Troisièmement, moins de multilatéralisme, c'est une chose qui ne marche pas. Il faut faire tout seul. Alors, si on les met tous ensemble, tous ces sujets-là, moi, la seule chose qui me vient de dire, c'est que il faut un récit complètement différent. Et il ne faut pas blame les anti-européistes. Je le dis dans un lieu dans lequel on est, je pense, plutôt pro-européen. Je pense que la faute, c'est aux pro-européens. Et c'est surtout aux responsables politiques pro-européens, soi-disant pro-européens. Parce qu'il manque, de mon point de vue, un récit aujourd'hui qui soit en condition de changer la donne et donc de passer d'une idée pro-européenne seulement ciblée sur les grands enjeux et sur le grand rêve, et de passer à une idée européenne dans laquelle le mot « utilité » soit un mot présent et fort. Je m'explique. Si on ne fait pas comprendre et on ne raconte pas aux citoyens que l'Europe est utile et que sans Europe, beaucoup des dangers, préoccupations de nos vies quotidiennes, de chaque jour, comme Européens, vont trouver un manque de solutions et que seulement grâce à l'Europe, on va avoir l'utilité de solutions que d'un autre côté, ce sera impossible d'avoir. Si on ne fait pas ça, on va jamais faire passer l'idée que les partages de souveraineté, c'est pas quelque chose de méchant que ceux qui veulent la mondialisation imposent aux gens, aux peuples, pour on ne sait pas pourquoi. On fait l'Europe, on fait le multilatéralisme, on fait des partages de souveraineté parce que c'est le seul lieu où on peut trouver des solutions à des problèmes auxquels l'État-nation, tout seul, n'est pas en condition de donner protection à ses citoyens, réponse durable et stratégie de long terme. Alors, je crois que sur les deux grands sujets qui sont devenus, dans l'année 2015, les sujets au centre, au cœur de tout, et qui ont balayé l'économie, on a vécu 10 ans dans lesquels c'était « economy first ». Et naturellement, quand c'est « economy first », en Europe, c'est « Allemagne first ». On a vécu 10 ans comme ça. 2015, sécurité, migration. Deux sujets qui, naturellement, échappent complètement à la stratégie qu'on avait dessinée jusqu'à maintenant. On n'avait absolument pas de boîte à outils au niveau européen.
il y a eu un manque total de boîtes à outils, soit sur la sécurité, soit sur les migrations. Et aujourd'hui, on se trouve dans, je pense, dans la situation où, dans ces deux domaines, nos citoyens voient un manque total de protection. Total. La perception du citoyen aujourd'hui, que ce soit le citoyen italien, français, portugais, finlandais, c'est qu'il y a un manque de... que la situation échappe de tout contrôle, que tout peut se passer et qu'il y a un manque de contrôle de la situation de la part des gouvernements, des institutions européennes et que tout peut se passer. On l'a vu à Bruxelles il y a quelques jours, on est en train de le voir chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe sur les migrations. Alors là, le point, et je pense que ça, c'est la question essentielle aujourd'hui du discours, puisqu'on est aussi en train de discuter dans un lieu qui s'appelle aussi l'Europe des citoyens, et non seulement l'IRIS. Et donc, la question des citoyens, qui est essentielle. Moi, je crois que la question clé est celle de dire que sur les deux grands sujets qui sont aujourd'hui au centre, sécurité et migration, il faut qu'on fasse passer le récit, et il faut le raconter que seulement l'Europe donne plus de sécurité aux citoyens, que seulement l'Europe, au niveau européen, on peut trouver des solutions aux grandes énigmes des migrations aujourd'hui. Ce sont deux sujets sur lesquels les solutions nationales, de mon point de vue, ne sont pas efficaces. Il n'y a pas de solution nationale sur la question, sur les questions de sécurité. Ou bien il n'y a pas seulement de réponse nationale. J'ai été frappé de voir comment très peu on a entendu après le 13 novembre et le 22 mars le discours de dire que c'est un flop des outils de sécurité nationale qui est là. Et que s'il y avait eu plus d'outils européens de sécurité, on ne serait pas là. On a vu un manque total de coopération entre les services de renseignement français et belges. On a vu un manque total de coopération entre les polices des différents pays. Mais c'est naturel. Quand vous avez des structures de sécurité auxquelles le pouvoir politique dit « c'est la souveraineté nationale », il n'y a aucune forme de coopération. Le partage d'informations est nul. Et si le partage d'informations est nul, les terroristes peuvent passer les frontières, même si vous remettez les frontières, ils passent la frontière parce qu'il n'y a pas le passage d'informations. C'est ce qui s'est passé sur la sécurité. Et sur les migrations, c'est pareil. Est-ce que l'on pense sérieusement qu'il puisse y avoir des solutions nationales quand on a des centaines, des milliers de gens qui changent de route en 2 mois? Ce qui s'est passé au mois de juillet-août, c'était des centaines de milliers de gens qui ont changé de route. Ils ont passé de la route de la Méditerranée à la route des Balkans parce que grâce aujourd'hui au digital, on est en condition de changer les routes et de le faire d'une façon si forte que ça, si rapide que ça. La seule possibilité là, c'est qu'il y ait une boîte à outils européenne. La boîte à outils nationale, elle n'existe pas sur des sujets de ce genre-là. Alors là, je pense que la politique étrangère, la politique de sécurité de l'Europe du futur doit être une politique dans laquelle, et je termine rapidement, mais c'est le point central et la chose essentielle que je veux dire, il faut que le récit politique et la relation avec les citoyens soient en condition de faire passer ce message, que l'Europe est utile et nécessaire, et que l'Europe protège nos citoyens. Là, je suis demandeur d'une reprise du terme « protégé ». On est tous, au moins, moi je suis contre tout ce qui est protectionnisme. Mais je pense que l'Europe doit protéger ses citoyens. Et que si on n'est pas en condition de donner à nos citoyens l'idée qu'on se penche sur eux pour les protéger, même au niveau européen. Et si on donne l'idée que l'Europe, c'est seulement le froid de la mondialisation, sans
un appui sur les questions les plus vraies de la vie quotidienne des gens qui ont peur, qui ont eu peur et qui vont avoir peur de ce qui est en train de se passer. L'Europe doit protéger ses citoyens et elle doit le faire avec les bons outils et avec le bon récit. Et là, je pense qu'il y a la possibilité de le faire sans que ce ne soit un protectionnisme ou d'autres aspects négatifs. Je pense que les institutions doivent protéger les citoyens. Et on ne peut pas laisser ce sujet complètement hors du discours européen, parce que sinon ce sera très facile de dire que l'Europe, c'est seulement pour protéger les vainqueurs de la mondialisation, alors que le perdant de la mondialisation, là, c'est quelque chose qui n'intéresse pas à l'Europe. Là, je mélange les différents aspects, mais je pense que sans un discours si fort que ça, et sans des solutions dans tout ça, quand je dis des solutions, j'en cite deux, la question de l'intelligence européenne, un FBI européen, je le dis avec un slogan, mais un slogan, je pense, efficace, après la faillite de toute coopération entre les intelligences nationales qui ont fait faillite pendant tout ce qui s'est passé dans les différents mois, seulement dans les mois récents, seulement une idée de travail commun avec des instruments, des outils communs, et de l'autre côté sur la question migration, ou bien on a sur la question migration un discours et des outils européens, ou bien on va continuer comme aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, on voit depuis un an qu'on discute de migration comme la première question, peut-être, à la une de tout débat, de toute discussion. Il y a une prairie entre les deux pôles qui sont les plus importants dans la discussion sur la migration aujourd'hui. Et les deux pôles sont Marine Le Pen dans un côté et le pape François de l'autre côté. Mais il y a une prairie entre ces deux polarités et personne n'occupe cette prairie avec un discours politique cohérent dans lequel il y ait la fusion entre l'idée européenne et l'idée européenne en tant que quelque chose qui est utile à résoudre les problèmes. Non seulement quelque chose qui est dans l'idée du devoir ou du rêve. Si on laisse l'Europe seulement dans l'idée du devoir et du rêve, du homeworks et de quelque chose qui est obligatoire, on va perdre l'Europe. Les citoyens, on va gagner les citoyens à l'Europe seulement si on fait passer avec des propositions concrètes et des exemples concrets que l'Europe est décisive pour leur futur et pour que leurs enfants puissent vivre mieux de ce qu'ils pourraient vivre sans Europe. Je pense que ça, c'est le point essentiel. C'est un point, naturellement, comme on venait de le dire, Manuel l'a dit au début, et je partage complètement, c'est un point qui demande du leadership. Et quand on a peur de parler d'Europe parce qu'on perd de voix, je pense que là, on est dans une situation dans laquelle on va perdre l'Europe. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre ça pour notre futur. Merci. Je crois qu'Enrico Letta, ça répondait effectivement à une des questions que je posais en introduction, c'est-à-dire la question de la vision, donc, et donc qui est également la question du récit et de ce qu'on veut et pourquoi on le veut, c'est-à-dire qu'on explique pourquoi on le veut. Bon, je passe la parole donc à Marie-Christine Vergia, donc députée européenne. Oui, bonjour à tous et à tous. Merci pour l'invitation. Après les interventions qui m'ont précédée, je me sens un peu comme la béotienne de service. Pourquoi ? Je suis députée européenne depuis 2009. Je ne suis pas une spécialiste des questions internationales. Donc, je suis venue à ces questions petit à petit, au fur et à mesure de mon expérience de parlementaire européenne, notamment parce que je suis une militante des droits de l'homme depuis 30 ans et que, assez naturellement, j'ai été siégée à la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen. Et que la question migratoire ayant pris de plus en plus d'influence, c'est un des sujets principaux sur lequel je travaille en ce moment. Et peut-être que mon intervention se fera à la lumière de ceci.
Alors, je siège au groupe de la gauche unitaire européenne. Je suis une européenne convaincue depuis toujours. Et notamment, j'ai voté pour le traité de Maastricht en 93. Notamment parce que derrière Maastricht, pour moi, il y avait la construction d'une Europe politique qui ne soit plus seulement une Europe économique. Et dans le traité de Maastricht, il y avait la construction d'une politique étrangère au niveau européen. Cette politique étrangère, elle avait pour objectif, je reprends les textes, de préserver la paix, de renforcer la sécurité internationale, de promouvoir la coopération internationale, de développer, de consolider la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Je pense que quand on relit tout ça et qu'on voit où en est l'Union européenne aujourd'hui, il n'y a plus que du décalage. Et que même on a beaucoup reculé en la matière. Je ne veux pas être complètement négative, parce que je pense qu'il y a eu, des choses ont été dites, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, des choses faites positivement par l'Union européenne, quand le multilatéralisme était encore à la mode. Passez-moi l'expression. Je vais donner quelques exemples, notamment par rapport aux sujets qui me sont chers. La question de la peine de mort. L'engagement de l'Union européenne sur la question de la peine de mort. Effectivement, ça a été dit, les politiques en matière de développement et d'aide humanitaire. L'Union européenne est sans contexte le premier bailleur de fonds en la matière. Les conférences climat, oui. Surtout quand elles ont lieu sur le sol de l'Union européenne, d'ailleurs. L'Union européenne s'engage plus quand la conférence climat a lieu sur son sol que quand elle a lieu ailleurs. On s'est beaucoup engagé sur Copenhague, on s'est beaucoup engagé sur Paris. Entre, beaucoup moins. Sur la question de l'ONU, oui, il y a une présence de l'Union européenne au niveau de l'ONU. L'Union européenne facilite la signature d'un certain nombre de conventions internationales. Elle joue son rôle. Simplement, faudrait-il qu'une fois qu'elle a joué son rôle, l'ensemble des États membres suivent l'Union européenne dans la ratification des conventions internationales, dans le vote des positions en la matière. Je vais prendre un exemple, pas tout à fait au hasard, la Palestine. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quelques incohérences des politiques des États membres de l'Union européenne, voire de l'Union européenne d'ailleurs, encore que, on pourrait y revenir, sur ces questions-là. Donc, la politique étrangère de l'Union européenne reste d'abord et avant tout marquée par les intérêts nationaux et géostratégiques de ses États membres et notamment d'entre eux. Et je vais prendre quelques exemples. Je vais le faire rapidement parce que des choses ont déjà été dites. Les printemps arabes. Je rappelle que jusqu'au départ de M. Ben Ali, l'Union européenne s'est contentée de demander un usage modéré de la force. Jusqu'au départ de M. Ben Ali. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Union européenne n'a rien vu venir en la matière. Et après, on a eu des grands discours. On a eu notamment le sommet de Deauville. Des milliards, des dizaines de milliards même, devaient pleuvoir sur les printemps arabes. Je vais prendre l'exemple de la Tunisie, puisque c'est le seul qui marche, si on peut dire. Eh bien, en réalité, même en Tunisie, pas grand-chose n'est arrivé. Il y a des choses qui ont été faites, mais pas suffisamment. D'autant plus que l'accord qui est sur la table, qui est maintenant en discussion, l'accord de libre-échange complet et approfondi, est quasiment le même que celui qui était sur la table sous Ben Ali. Ah, on a changé quelques virgules. On a rajouté les mots justice et les mots droits de l'homme. Mais c'était plutôt avant qu'il fallait en parler, même s'il faut continuer d'accompagner la Tunisie en la matière. La Tunisie est en difficulté.
elle est en difficulté, y compris à cause du terrorisme, et ce n'est pas un hasard qui sévit à l'intérieur. Mais la crise économique et sociale qui a donné lieu à la révolution tunisienne n'a pas du tout été traitée. Et ce n'est pas en imposant, je dis bien, un accord de libre-échange que nous allons aider la Tunisie vers sa transition démocratique. C'est tout le contraire. Nous allons la fragiliser encore plus. Nous sommes, en ce moment au Parlement européen, en train de mener des batailles en la matière pour faire bouger les lignes. Je ne m'étendrai pas sur la Libye. Je rappellerai juste que M. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, avait commencé à demander à l'Union européenne les fameux couloirs, zones de sécurité aérienne. La chancelière Merkel s'y est opposée. Donc M. Sarkozy est parti à l'ONU jouer avec la Ligue arabe pour obtenir l'accord de l'ONU. Donc contre l'Union européenne. Et les franco-britanniques ont fait leur intervention militaire. Et on sait tous très bien que cette intervention militaire a très largement et très rapidement dépassé le mandat de l'ONU. L'Union européenne a suivi contrainte forcée. Et on sait les dégâts qu'a provoqué cette intervention militaire en Libye. Alors aujourd'hui, l'Union européenne, c'est vrai, met tout son poids pour essayer de trouver une solution. Je ne suis pas sûre que les derniers pourparlers vont faire avancer les choses. Si j'ai bien compris, nous avons maintenant, grâce aux pourparlers et la conférence internationale, un troisième gouvernement pour essayer de faire entendre raison aux deux autres. Je ne suis pas sûre que c'est comme ça que ça marche. La Turquie. Parlons-en quand même. Des politiques de l'Union européenne avec la Turquie. Monsieur Erdogan, en 2011, était l'acteur majeur de la région. Le gouvernement islamo-conservateur qui allait pouvoir servir de médiateur partout dans les pays, notamment après les printemps arabes, et notamment après l'arrivée des frères musulmans au pouvoir en Égypte et de Hennada en Tunisie. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme il voulait. Et il y a eu la Syrie. Quel est le rôle de la Turquie dans tout ça? Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de temps, mais la Turquie met de l'huile sur le feu, quand même. Elle a nourri les mouvements djihadistes, terroristes, y compris Daesh, en lui permettant d'exporter son pétrole et son coton, entre autres, en permettant à ses combattants de venir se faire soigner en Turquie. Et tout le monde a fermé les yeux. Et continue de fermer les yeux, même s'il y a quelques évolutions en Turquie. Pourquoi? Parce que pour M. Erdogan, l'ennemi principal, ce sont les Kurdes. Y compris les Kurdes de Syrie, qui sont quand même ceux qui ont le mieux résisté à Daesh, avec l'aide américaine, mais pas avec l'aide européenne. Et l'Union européenne aujourd'hui ne fait rien pour permettre, notamment aux Kurdes, d'être au pourparler des conférences de paix en Syrie. Moi, je vois là quelques contradictions. Et Turquie, toujours. Je pense, moi, que ce n'est pas tout à fait un hasard si les mouvements de migration se sont subitement déplacés de la Libye vers l'Italie, à la Turquie vers l'Espagne, à la Grèce, pardon. 850 000 personnes ont traversé la Méditerranée entre la Turquie et la Grèce, d'un seul coup. La situation s'est certes aggravée en Syrie.
Mais on a deux premiers ministres, anciens premiers ministres italiens. Quand la situation était tendue en Italie, le maximum était 250 000 personnes, on nous a dit « nous ne pouvons rien faire ». Il n'y a plus d'État en Libye. Et en Turquie, il n'y a pas d'État. Les gardes-côtes turcs ont vu laisser passer 850 000 personnes sans que personne le voie. Ça pose quand même un petit problème. Mais M. Erdogan a trouvé un outil de chantage idéal sur l'Union européenne. Et maintenant même, il se fait payer cher pour récupérer les migrants, les réfugiés qui sont arrivés en Grèce au mépris du droit international. Même le HCR le dit. C'est pas vraiment une organisation gauchiste, le HCR, mais je n'ai jamais vu un communiqué du HCR aussi virulent que celui qu'ils ont signé au lendemain de l'accord UE-Turquie. Et on continue d'avoir la confirmation. J'ai encore lu un article de presse ce matin qui dit que le droit d'asile individuel n'est pas respecté par rapport au renvoi vers la Turquie. Je passerai sur l'Ukraine, on en a beaucoup parlé, je partage ce qui a été dit. Pourquoi on n'arrive pas à construire cette politique étrangère? Eh bien, tout simplement parce que quand on regarde l'évolution des relations de l'Union européenne avec les autres pays du monde, c'est d'abord, encore, toujours et avant tout, l'économie. D'abord et avant tout, des accords de libre-échange que les États membres acceptent de transférer à l'Union européenne. Parce que c'est la compétence de l'Union européenne, d'ailleurs. C'est normal. Mais dans quelles conditions le fait-on? Et comme je pense que j'ai déjà pris beaucoup de temps, je vais donner un seul exemple. J'ai déjà parlé de la Tunisie. Qu'est-ce qui se passe avec les pays d'Afrique, avec les pays des accords de Cotonou? On est en train de discuter avec les pays d'Afrique subsaharienne des accords de partenariat économique à la place des accords de coopération et de développement. Des accords de libre-échange, purs et durs, comme si les pays africains étaient à égalité de discussion avec leurs anciennes puissances coloniales. Comme si les entreprises européennes n'avaient pas fait suffisamment de dégâts et ne font pas encore aujourd'hui suffisamment de dégâts dans ces pays-là. Et c'est comme ça que l'on prétend aujourd'hui lutter contre les causes profondes des migrations. En demandant non plus aux pays du voisinage, mais aux pays d'origine, de garder leurs migrants. Pour moi, l'accord, le processus de Khartoum, initié fin 2014 sous présidence italienne, et je pense que ce n'est pas un hasard, l'Italie a un passé dans cette région du monde. L'accord de Khartoum, capitale du Soudan, qui prétend que l'on va travailler avec les pires dictatures de cette région du monde, y compris le Soudan et pire encore l'Érythrée, y compris en formant les gardes frontières érythréens qui tirent à vue sur les migrants. L'Union européenne va donner de l'argent à l'Érythrée pour former les gardes frontières érythréens. Je pense qu'on marche complètement sur la tête. Et je me demande bien où sont passées les valeurs européennes, qui ne sont d'ailleurs pas des valeurs européennes, qui sont des valeurs universelles. Celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et que si l'Europe veut vraiment les défendre, elle doit les défendre de façon universelle. Et pas seulement quand ça arrange ses intérêts. Pas seulement dialoguant des droits de l'homme avec la Chine pendant que ses États membres font du commerce avec la Chine. Pas seulement en négociant l'accord sur le commerce des armes, alors que la France est le premier marchand d'armes de l'Arabie Saoudite et le deuxième marchand d'armes de la Chine. Je pense que là aussi, il y a un certain nombre d'incohérences. Et je vais terminer. Je crois, oui, que d'autres politiques sont possibles.
Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je pense qu'il faut plus que jamais faire le lien entre les politiques intérieures et les politiques extérieures. Éviter les contradictions entre les unes et les autres, notamment en matière de migration. Et je pense qu'il faut effectivement changer de logique. Oui, je crois que c'est vous, monsieur l'État, qui le disait. L'Europe, l'Occident n'ont plus la même place dans le monde. Il serait temps qu'ils s'en rendent compte et qu'ils travaillent avec les autres pays du monde dans des logiques non plus de puissance, non plus d'hégémonie, non plus d'impérialisme, mais dans des logiques réellement de partenariat, basées sur le respect de l'autre, basées sur les besoins de part et d'autre, notamment des populations. Et que si nous avancions dans cet état d'esprit-là, oui, peut-être que l'Union européenne, forte de son histoire, forte de sa culture, forte de ses soi-disant valeurs, pourrait participer à la mise en place d'un autre monde et que l'on cesserait par ailleurs de casser le rêve européen, ce que beaucoup des dirigeants européens aujourd'hui, et notamment des chefs d'État et de gouvernement, s'emploient à faire, comme on le voit notamment avec les politiques migratoires. Merci. Je vais maintenant prendre les questions. Je vais les prendre par série de trois. Donc, allez-y. La parole est à la salle. Bonjour. On a évoqué le cas des Kurdes et de leur résistance face à l'État islamique. Et le manque de soutien, notamment de la part de l'Union européenne et même des pays de l'Union européenne en général. Qu'est-ce qui, à votre avis, explique cette indifférence, entre guillemets, de l'Union européenne? Alors qu'a priori, ça dérangerait la Turquie qu'on les soutienne, mais a priori, ça ne dérange personne d'autre. Ce qui, pour une question internationale, est plutôt une exception. Deuxième question. Ah oui. Oui. D'accord. Oui. Jean-Claude. Merci. Une question qui s'adresse à Monsieur le Premier ministre concernant votre idée de FBI européen dont on parle beaucoup. Le renseignement, surtout dans les affaires qui nous concernent, est un renseignement humain, donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effectifs. Beaucoup de personnel. Et donc, comment vous voyez cette architecture de FBI européenne? Un espèce d'Interpol qui fédère tout, ou alors vraiment créer une agence dans laquelle il faudrait, à mon sens, au bas mot, au moins 30 à 40 000 fonctionnaires? Donc, quelle est la vision de cette terminologie? Parce qu'on en parle aussi, et j'étends la question, à dire faire une armée européenne, oui, mais quoi? Voilà, donc pour le FBI, comment ça fonctionnerait? Alors, une autre question. Oui. Alors, je crois que ce sera madame d'abord. On passe à la deuxième série. Merci. C'est une question qui s'adresse à madame la députée européenne. Vous avez, à juste titre, dénoncé l'accord de l'Union européenne avec la Turquie sur le problème des réfugiés. Et je pense que, enfin j'espère au moins que les chefs d'État européens ne peuvent plus se regarder dans la glace sans rougir. Mais qu'a fait le Parlement européen dans ce domaine? On n'entend pas beaucoup les protestations, au moins dans la presse française, de cet organisme qui est censé quand même nous représenter aussi. Très bien, je vous laisserai répondre et puis je prendrai ensuite une deuxième série de questions. Sur la première question, je pense que en effet, là, quand je disais qu'il manque la boîte à outils, il manque aussi la façon dans laquelle on gère les discussions, les relations, les traités. L'accord avec la Turquie a été pris
avec des modalités qui laissent beaucoup de à réfléchir. Il a été discuté une nuit, la nuit avant le Conseil européen, avec la chancelière allemande, le Premier ministre néerlandais, qui était président du semestre européen, et le Premier ministre turc. Sans que la Commission soit là, sans que le président du Conseil européen soit là, sans que le président français soit là. Alors il y avait... Ça, c'est, on parle de format, et Normandie, on peut ajouter Bretagne, et tout ce que vous voulez, mais là, il n'y avait aucun format qui existait. C'était hors de tout format. Et moi, je pense, parce que j'ai toujours vu ça dans mon expérience, que quand les institutions européennes manquent dans les salles où on décide les accords vrais, alors, il y a un problème à la fin de delivery. Il y a un problème d'application, d'enforcement, parce que c'est un accord qui est géré hors de l'intérêt général. C'est très compliqué d'imaginer que l'intérêt général européen puisse être trouvé sans qu'il y ait les institutions européennes, ceux qui le représentent, là, surtout dans la politique étrangère ou dans les grands enjeux comme ça. Parce que les pays européens ont, entre eux, des différentes priorités. On ne peut pas imaginer, je le dis franchement, bien qu'on ait tous dans la tête la stratégie européenne, mais les priorités d'un pays comme l'Italie sont différentes des priorités d'un pays comme la Finlande. On a des voisins qui sont différents. Et naturellement, les voisins poussent sur une politique étrangère d'un côté ou d'un autre. Donc, il faut l'institution européenne. Sans l'institution européenne qui est en condition donc de gérer l'ensemble. Et moi, donc, je vois là ce que vous disiez, ça a commencé avec ce problème et je pense que c'est un sérieux problème. La question de l'FBI européen. Moi, je pense qu'il faut commencer par mettre ensemble des fonctionnaires des différents pays. Mais la question n'est pas seulement de les mettre ensemble. La question essentielle est le mandat politique et les règles avec lesquelles, les moyens avec lesquels ils peuvent travailler. S'il n'y a pas de mandat politique clair, chacun va tenir les informations pour lui-même. Ou bien il y a un mandat clair, et le mandat clair doit être le mandat pour lequel on emploie l'intelligence, non pas comme quelque chose les uns contre les autres, parce que chacun d'entre nous peut penser ce qu'il veut des services de renseignement. Moi, j'en ai vu trop d'activités de services de renseignement les uns contre les autres en Europe. Et alors, je pense, avec tous les défis qu'on a hors de l'Europe, qu'il faudrait commencer à mettre ensemble les services de renseignement avec des structures absolument claires, mais surtout avec un mandat clair. Et le mandat clair doit être celui de dire... Par exemple, là aussi je le dis très franchement, sans langue de bois, si on doit faire des accords, les accords doivent être faits non pas les uns contre les autres. La question turque et la question de la route des migrants maintenant sur les Balkans, ce n'est pas une question de fermer une route et donc de laisser qu'une autre se ouvre à nouveau. Parce que si on raisonne simplement comme ça, bon, alors les Italiens sont contents parce qu'une année, c'est la route des Balkans qui s'ouvre et donc on est un peu moins coincé. Et même, puis les Allemands, ils ferment leur route parce que comme ça, ça recommence avec la route de la Méditerranée. On ne va jamais résoudre le problème. C'est ce que j'avais dit, je me rappelle, et je le dis avec un peu d'amertume, franchement. Le Conseil européen de... 15 jours après le drame de Lampedusa. C'était la nuit entre le 2 et le 3 de octobre. Ça a été le premier des grands désastres. Et 366 enfants, femmes, hommes sont morts là. On n'avait même pas les cercueils pour faire en sorte qu'au moins la dignité du deuil soit donnée à ces pauvres gens. Ça a été la première fois, et il y a eu
une attention des différents des pays européens qui a duré quelques jours. Hélas, on n'avait pas le Conseil européen deux jours après. Le Conseil européen était 15 jours après. Et donc, le deuil et l'émotion des médias avaient terminé. Et quand on est arrivé au Conseil européen, moi j'ai posé le problème. J'ai compris qu'il fallait que nous fassions tout seuls ce que nous avons fait. On a fait Mare Nostrum, c'était une initiative pour chercher d'éviter que les gens à des milliers et des milliers sombrent dans la mer en mourant. Et là, la question clé de ce que je vois a été celle de dire que là, le problème était italien. Je le dis sans langue de bois. Quand les réfugiés sont entrés en Allemagne, le problème est devenu européen. Alors là, je pense que là, on a un problème d'Europe. Parce que le problème est européen quand un seul de nos pays est touché dans une situation qui devient une situation européenne en tant que telle, non seulement nationale. Parce que le sujet est un sujet sur lequel, je termine, je m'excuse, j'ai pris trop de temps, l'année 2015 est importante en Europe parce que le mot solidarité a repris la place qu'il est nécessaire en Europe. La solidarité a été, dès le début, à la croisée de la construction européenne. C'était la solidarité. Puis, dans les dernières 10 années, on a pensé que solidarité, c'était quelque chose de mal. C'était quelque chose qui était négatif. C'était quelque chose qui était perdant. C'était quelque chose qui était contre croissance et tout le reste. En 2015, les deux grands pays européens ont redécouvert le mot solidarité. La France a appelé à la solidarité des autres pays européens après le 13 novembre et, franchement, elle l'a reçue seulement à moitié. Et mon pays est le pays qui est dans la moitié un peu moins chaleureuse. Parce qu'on pense toujours en Italie que bon, c'est un problème plutôt des Français parce qu'ils font les frappes à Daesh, alors on les laisse là et ce n'est pas un problème qui va nous toucher. Alors je pense que c'est un problème qui touche tous. Parce que les morts du Bataclan étaient de tous les pays européens. Parce que les morts de Bruxelles sont de tous les pays européens. Et personne d'entre nous peut être sûr dans tout ça. Et alors là, c'est le problème européen. La France avait raison à demander de la solidarité. Et au mois de décembre, c'est l'Allemagne qui a demandé la solidarité européenne. Et je pense qu'il faut donner la solidarité soit à la France, soit à l'Allemagne, sur la question réfugiée à l'Allemagne. Mais il faut que le mot solidarité reprenne la place qui lui est propre, c'est-à-dire la place centrale en Europe. La solidarité est la seule façon d'être entre nous, Européens, et d'être entre nous en condition de faire en sorte que notre idée d'Europe soit effectivement celle qui nous mène à vivre et à trouver les solutions qui sont nécessaires. Merci. Ensuite, je vais prendre l'ordre. Ouais. Oui, rapidement sur la question kurde. D'abord, il faut se rappeler la question majeure, le prétexte majeur, c'est le fait que le PKK est sur la liste des organisations terroristes européennes. Il faut se rappeler depuis quand ? Depuis le début des années 2000. À la demande des Américains. Non pas pour des problèmes liés à la situation, y compris turque à l'époque, puisque c'est un moment où le PKK demande à cesser le feu. Mais c'est dans le cadre du mouvement où les États-Unis demandent d'allonger la liste des organisations terroristes. Les Kurdes ont une position, je dirais, particulière en Syrie. Mais ils sont les seuls qui ont, je le redis, vraiment combattu Daesh. Dès le départ. Ce sont aussi ceux qui ont largement accueilli les yézidis
victimes des massacres en Irak. Tant en... Tant le PYD d'ailleurs que le HDP en Turquie. Il se trouve que je suis coprésidente du groupe d'amitié avec le peuple kurde. Donc vous allez penser que je ne suis pas forcément objective sur le sujet. Mais je le connais bien. Je pense, moi, que nous ne pouvons sortir de cette situation que par un processus de paix. Que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe en Turquie actuellement. Et que le gouvernement turc, au prétexte de lutter contre une organisation terroriste, massacre des pans entiers de sa population dans un certain nombre de villes à domination kurde. Il y a eu Sisre, il y a eu Sour, la vieille ville de Diyarbakir. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et là, comme en Tunisie, quelle est la position officielle de l'Union européenne et de la haute représentante ? Demande d'usage modéré de la force. Ça n'est pas une position. Nous sommes un certain nombre au Parlement européen à se battre pour faire évoluer les choses. Le prochain rapport de suivi de la Turquie, rapport annuel sur l'état d'avancée des négociations sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, va être assez sévère sur ce qui se passe dans le sud-est de la Turquie, dans la région kurde, parce qu'un certain nombre de parlementaires ont été en Turquie, dans la région kurde de Turquie, et ont vu la réalité des choses. Par ailleurs, il y a aussi la répression par rapport aux journalistes, il y a la répression par rapport aux universitaires. Donc nous ne pouvons pas rester silencieux. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement turc a un instrument de chantage. Et donc cet instrument de chantage fait qu'un certain nombre de gouvernements se taisent sur l'évolution en Turquie. Et moi, je pense que cette évolution en Turquie est dramatique. Parce que M. Erdogan est de plus en plus un chef d'État autoritaire qui pense d'abord à lui et à son avenir, plutôt qu'y compris à l'avenir de la Turquie, qui reste un grand pays et qui a une place à jouer dans cette partie du monde. Sur l'accord UE-Turquie et sur le rôle du Parlement européen par rapport aux politiques migratoires, depuis un an et demi, il ne se passe pas une session plénière du Parlement européen sans que nous ayons un débat sur les questions migratoires. Il ne se passe pas une plénière du Parlement européen sans que nous tentions de faire pression sur les politiques migratoires européennes. Mais nous voyons, et l'exemple de ce que disait Monsieur l'État, c'est le Conseil tout seul qui décide. C'est le Conseil qui impose ses positions. Et je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas de politique migratoire de l'Union européenne. Le Conseil, les États membres ont toujours refusé toute politique migratoire de l'Union européenne. Il y a eu la tentative de créer un régime d'asile européen. Il y a eu la tentative de créer un statut unique des travailleurs migrants. Je ne suis pas une défenseuse acharnée de la Commission. Mais je reconnais que la Commission, là, avait fait des propositions positives. Comme dans l'agenda européen proposé par la Commission en mai dernier, après le Conseil du mois d'avril, qui était le suivant, après celui dont vous parliez, après la mort, le naufrage d'un bateau avec 900 personnes à bord, donc plus de 700 morts au mois d'avril 2015. La Commission, dans son agenda européen, fait un point sur la demande d'ouverture de voies légales de migration. Parce que le seul moyen d'empêcher que les voies changent sans arrêt, c'est d'ouvrir des voies légales. C'est d'ouvrir les voies légales, notamment par rapport aux réfugiés. Parce que nous ne pouvons pas nous comporter avec les réfugiés comme si c'était n'importe quel migrant.
Ou alors, il faut que l'Union européenne dénonce la Convention de Genève. Qu'elle soit cohérente. Mais actuellement, les États membres de l'Union européenne ne respectent pas la Convention de Genève. Et s'il doit y avoir solidarité, il doit y avoir solidarité entre les États membres, et ce n'est pas ce qui se passe, parce que quand même, plus d'un million de personnes sont arrivées sur le sol de l'Union, ont traversé la Méditerranée l'année dernière, il y a 1 million de demandeurs d'asile en Allemagne. Donc je pense que l'Allemagne a pris sa part de solidarité. Hein, je suis pas non plus une fanade Madame Merkel habituellement, mais là, je reconnais que l'Allemagne a pris sa part de solidarité. Donc qu'elle pèse un peu sur les autres États européens, ça paraît un peu normal. Parce que tous les autres renvoient sur la Grèce actuellement. C'est comme si la Grèce avait besoin de ça et n'était pas dans une situation économique et sociale suffisamment difficile. Et la seule solution, c'est de modifier Dublin. Et modifier notamment l'article sur ce fichu pays entrant. Parce que tant qu'il y aura cet article sur le pays entrant, il n'y aura pas de solidarité européenne. Et cette solidarité, elle doit non seulement être européenne, mais elle doit être internationale. Parce que, comme cela l'a été dit, c'est une crise mondiale des réfugiés et des déplacés. 60 millions de réfugiés et déplacés l'année dernière. Un chiffre jamais atteint depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 11 millions et demi de Syriens là-dedans. 11 millions et demi de Syriens. L'essentiel, ils sont dans les pays limitrophes de la Syrie. Quelle est la part de solidarité de l'Union européenne jusqu'à présent? Quelle honte! La réponse, c'est l'accord Union européenne-Turquie. Alors il serait temps que les chefs d'État et de gouvernement sachent renouer un tout petit peu avec les valeurs européennes, les valeurs universelles, je le redis, qu'ils prétendent défendre. Parce que là, on marche sur la tête et c'est pas comme ça qu'on va avancer. Plus ça va, plus l'Union européenne, au contraire, perdra sa place sur la scène internationale avec des comportements de cette nature. Pour qu'il n'y ait pas trop de consensus mou ou pas mou dans la salle, je voudrais réagir un tout petit peu à ce que ont dit Enrico et Marie-Christine. D'abord, mais c'est vrai que ça m'embête beaucoup d'être même un tout petit peu en désaccord avec et ou l'un et ou l'autre, parce que en fait tout ce qu'ils disent est tout à fait vrai. Mais vous savez, c'est comme le rabbin qui disait à Shlomo, tu as raison, et à Harry, toi aussi, tu as raison. Et le troisième dit, mais comment? C'est pas possible que Shlomo et Harry ont raison puisqu'ils sont pas d'accord. Et il dit, tu as raison. Et c'est toujours ça, ces questions. C'est très compliqué. Et donc, je dirais quand même 4 points très rapidement. Sur l'accord Turquie, Enrico, tu as tout à fait raison que la façon dont il a été négocié en catimini, nulle. Mais je dirais, et aussi à Marie-Christine, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que la philosophie de base de cet accord avec la Turquie est bonne. Elle est bonne exactement à cause de ce que tu as dit, Marie-Christine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une voie légale pour l'entrée des réfugiés. Qu'est-ce que l'accord cherche à faire? Oui, mais justement, il est intelligent cet accord. Parce qu'il cherche à remplacer l'idée qu'on va réinstaller des réfugiés qui sont déjà arrivés au risque de leur vie sur les îles grecques. On va remplacer cette logique de réinstallation qui crée un appel. On va la remplacer par une logique de réétablissement à partir des camps turcs et parfois libanais, etc. Ça, c'est la logique de base. C'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse en Europe. Il faut que on... Comment ? Bah, excuse-moi, non, j'ai beaucoup aussi travaillé sur ce dossier. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une conversation sur cette base-là. Et effectivement, nous avons toutes sortes d'équipes dans toute l'Europe qui travaillent sur ces questions, des lawyers et autres. Et je ne pense pas que Madame Merkel... Alors... C'est pas parce que vous dites qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain qu'il ne faut pas jeter l'eau du bain. L'eau du bain, c'est une Turquie autoritaire. L'eau du bain, c'est une Merkel qui fait ce qu'elle peut et ce qu'elle veut toute seule.
L'eau du bain, c'est qu'effectivement, on ne respecte pas les accords de Genève. C'est effectivement que les réfugiés, quand ils arrivent sur les rives grecques, il ne faut pas les renvoyer comme ça, sans rien dire et sans rien faire. Effectivement, cet accord a toutes sortes de problèmes. Mais c'est bien ce que je dis. Ne me faites pas dire le contraire de ce que je dis. Un accord a un problème, ça ne veut pas dire que la philosophie de base est nulle. Réfléchissons, soyons nuancés. Tous ceux qui ont travaillé à cet accord ont beaucoup réfléchi. Ils n'ont pas fait exactement ce qu'il fallait, mais ils vont dans la bonne direction. Maintenant, il faut que toute l'Europe travaille ensemble pour faire en sorte que vraiment essayer de donner des incitations à ces réfugiés qui ont des téléphones portables, etc., qui savent ce que l'Europe décide. S'ils savent que c'est la voie légale qui paie et qu'il ne faut pas risquer la vie de leurs enfants dans les mers grecques, ça pourrait marcher. Mais alors, bien sûr, à condition. Et alors, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à ces conditions. Par exemple, il faut qu'il y ait un chiffre beaucoup plus élevé de réfugiés qu'on va reprendre des camps, que ce soit en Turquie, au Liban ou en Jordanie. Parce qu'au Liban, il y a presque 35% de la population qui est de réfugiés, contre moins d'1% en Europe. Mais où est-on? C'est ça qui est du délire, c'est ça l'ambition qu'il faut avoir. Mais cette ambition, elle est comprise en filigrane dans cet accord qui a tous les problèmes que mes deux collègues qui connaissent bien mieux les dossiers que moi le savent. Ceci dit, alors après on va poser la question de l'opinion publique. Mais moi je pense que les peuples européens, et on le disait ce matin aussi, sont souvent plus intelligents que leurs élites. Et je ne parle pas des ex-premiers ministres, etc., ici, que je respecte entièrement. Mais vous savez, les Allemands, sur un stade de football, ont fait « Welcome les réfugiés », vous vous souvenez? Ça a été extraordinaire. Tout à coup, en France, tous les fans de football, et en Angleterre, alors encore plus, tout à coup, tout le monde voulait « Welcome the refugees ». Parce que c'est contagieux, l'empathie. Et il y a eu ce moment de contagion, parce que les Allemands, ils avaient tout compris. Et comme Marie-Christine, je ne suis pas toujours une fan de Merkel, mais elle a quand même été géniale à ce moment-là. Elle va le payer cher. C'est vrai, sûr. Vous avez tout à fait raison. C'est pas sûr. Il vous avait raison. Ceci dit, c'est pas. Non, vous n'avez pas entièrement raison, parce que même les dernières élections, il y avait 80% des Allemands qui ont quand même voté pour des partis qui ne s'opposaient pas. Et les Verts demandaient à voter pour nous si vous êtes d'accord avec Merkel, parce que son propre parti n'est pas d'accord. C'était assez intéressant. Et donc, je dirais, Enrico, tu as tellement raison de parler de solidarité en Europe, mais la solidarité, ce n'est pas de l'assurance mutuelle, mutualiser l'assurance, ni de la charité. C'est vraiment penser ensemble et travailler ensemble pour agir sur le réel. Alors, sinon, et excusez-moi, je fais vite, mais deuxième point sur lequel je voudrais rebondir. Enrico, tu nous proposes un FBI européen et pourtant ce que tu dis pour moi ne correspond pas à ce terme et à tout ce qu'il peut évoquer de centralisateur. Parce que finalement, toi, ce dont tu parles, c'est de faire un vrai réseau ouvert de renseignements en Europe. Un réseau basé sur ce qu'on n'a pas, hélas, la confiance mutuelle, plutôt qu'une intégration forcée. Parce que réfléchissons un peu à notre monde de l'Internet aujourd'hui. Je vois quand même que dans cette salle, il y a pas mal de jeunes, ce qui est sympa, sur ces questions. Eh bien, vous savez, sur l'Internet, on parle d'intelligence distribuée. Qu'est-ce que c'est l'intelligence ? L'intelligence, c'est comprendre le monde, y compris celle des renseignements. Intelligo veut dire comprendre. Et comprendre, ça veut dire comprendre sa société. Et c'est quand on est au plus proche. Je dirais même qu'il faut un FBI du renseignement du local. Ça veut dire se penser comment intégrer les immigrants, les étrangers, ou ceux qui sont de première, deuxième ou troisième génération en Europe et qui sont ceux qui souvent posent problème. C'est ça l'intelligence en Europe. Et centraliser, Enrico, je ne suis pas sûre que ça va y répondre. Il faut vivre avec le XXe siècle, avec les philosophies de l'Internet qui sont celles de l'intelligence distribuée. Distributed intelligence. Et finalement, sur les Kurdes, Marie-Christine, à nouveau, je ne peux pas être d'accord avec toi. Je suis moi-même descendante de grands-parents grecs de Turquie, dont presque 1 million sont morts en 1922 et l'autre million éjecté en Grèce. On connaît cette histoire.
Mais il faut effectivement qu'on prenne vraiment à corps tout ce qui est la réalité stratégique de la région, tout ce qui est le fait que effectivement Erdogan trouve des prétextes, tu as dit le bon mot, celui de prétexte, parce que hélas, il y a des mouvements dissidents kurdes qui ont fait ces attentats dans toute la Turquie. Moi, je viens de signer une pétition de soutien avec tous mes amis intello en Turquie qui se font mettre en prison. Mais eux-mêmes reconnaissent que ces dissidents des Kurdes eux-mêmes doivent aussi être contestés. Et donc, et qu'il y a effectivement dans le nord de la Syrie une situation très complexe avec le parti frère des Kurdes en Syrie. Donc tout ça, et finalement je finirai Marie-Christine sur un point très très important. Tu as dit plusieurs fois, tu as parlé des valeurs européennes. Bien sûr, on ne peut qu'être d'accord. Qui va dire il faut être contre nos valeurs et tout ça. On ne va jamais dire ça. Mais ceci dit, il faut reconnaître que très souvent, ce qu'on met sous le chapeau des valeurs, c'est plutôt une question d'intérêt aussi, mais d'intérêt bien compris. Quand il s'agit, comme le dit à si juste titre Marie-Christine, de ne pas mettre des armes dans les mains des soldats érythréens, c'est parce que ce qu'il faut construire en Europe aujourd'hui, c'est un monde où il y aura de la circulation migratoire, où les gens pourront revenir et repartir, où ils n'auront pas peur de quitter l'Europe parce qu'ils ne pourront plus y rentrer et voir leur famille et leurs amis. Il faut construire un monde de co-développement. Et tout ça, c'est vraiment de l'intérêt européen bien compris et à long terme, celui pour nos enfants. Alors c'est là où les valeurs et les intérêts se rejoignent et il ne faut pas forcément les opposer. Je vois Jean-Pierre lutter désespérément pour que vous puissiez poser des questions. Alors, je vais résister à la tentation de parler de tout ce dont vient de parler. Je vais juste rajouter un mot, trois points très courts sur les Kurdes. Le premier point pour dire que ce qui se passe en Syrie et ce qui se passe en Irak n'est pas pareil. Et c'est important pour le comprendre. Aussi parce que la Turquie n'a pas la même relation avec les Kurdes irakiens qu'avec les Kurdes syriens. Mais typiquement, l'Europe soutient les Kurdes en Irak. Et c'est pas l'Union européenne, c'est les Européens, mais il y a une coopération, y compris militaire, très forte, y compris par des États comme l'Allemagne, qui fait pas ça tous les matins. Une des raisons pour lesquelles on le fait pas en Syrie, c'est qu'il y a une réticence des Européens à rentrer dans une logique d'escalade militaire. Pas de tous les Européens, mais de la plupart des Européens. Et c'est ça aussi la difficulté de la crise en Syrie. Deuxième point, le PYD, qui est donc l'acteur majoritaire pour les Kurdes en Syrie, et en fait, a une position extrêmement ambiguë vis-à-vis de Assad. Et c'est un des nœuds du problème. Il lutte contre Daesh, absolument, c'est totalement incontestable, mais il ne fait pas partie de la rébellion. Pendant très longtemps, dans la crise syrienne, dans le conflit en Syrie, en fait, il a assis son contrôle sur une partie du territoire en évitant de prendre parti pour les uns ou pour les autres. Et aujourd'hui, une des difficultés avec Ankara, c'est qu'il lutte pas seulement contre Daesh, et notamment, il y a eu des affrontements avec des groupes turkmènes, eux liés à la rébellion contre Assad. Je dis pas que les turkmènes sont les gentils et les PYD les méchants, mais ça montre la complexité de la crise syrienne, ça permet de comprendre pourquoi on a du mal. Et troisièmement, c'est pour ça que le PYD, pour l'instant, se heurte à des réticences pour lui faire de la place dans les discussions qui sont censées avoir à Genève, parce que vous n'allez pas mettre du côté de l'opposition quelqu'un qui ne fait pas partie de l'opposition, en tout cas dans la position vis-à-vis du régime et vis-à-vis de l'opposition, est très compliqué puisqu'il a un agenda qui est orthogonal à ce sujet-là. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut trouver une solution politique à la crise en Syrie sans les Kurdes, mais il faut prendre en compte ce fait-là, le positionnement spécifique du PYD d'une part, et d'autre part prendre en compte le fait que le PYD n'est pas le seul représentant des Kurdes en Syrie. Il y a dans l'opposition qui est en place à Genève des gens qui représentent les Kurdes syriens qui simplement ne sont pas le PYD. Oui, voilà. Mais c'est un Irakien. C'est des Kurdes qui sont syriens, qui vivent en Syrie et qui doivent faire partie de la discussion et il n'y en a pas qu'un. S'il vous plaît. Alors, généralement, dans les colloques, ceux qui posent la question prennent trop de temps. Là, c'est exactement l'inverse. Ce sont les orateurs qui ont pris près d'une demi-heure pour répondre aux questions. Écoutez, je vais essayer de prendre quand même, parce que j'avais dit que je prendrais une deuxième série de questions, d'une deuxième série, mais un très très rapide. Et puis, surtout les orateurs, pour les réponses, ce sera deux minutes, hein, pas plus, parce qu'il faut qu'on arrête à 16 heures. Donc, c'est plus par respect pour le public que je prends des questions. Bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs.
Je rejoins d'abord l'avis de Marie-Christine Vergia par rapport à ce que vous aviez dit, Madame Nicolas. Je suis désolée, je retiens mal les noms. Madame, vous vous êtes reconnue, excusez-moi. Posez votre question. Oui, tout simplement parce que vous parliez de philosophie de texte et vous aviez dit aussi qu'un texte doit être adopté à la majorité dans un bon consensus. Pour rejoindre ce que Monsieur Letta a dit, oui, ça doit être pris à la majorité. Et c'est ce qui n'a pas été le cas pour l'accord turc. C'est un pseudo-accord pour moi, parce qu'il n'y a pas eu de réel accord. Et pour le règlement de Dublin, par rapport à ce que Madame Marie-Christine a dit, il faudrait peut-être rectifier effectivement le règlement, prendre le problème par la racine et non superposer des textes sur des autres. Ma question est justement comment juger de la crédibilité des règlements européens par rapport à la crise des réfugiés s'ils ne sont pas pris dans le respect des règles. Ok. Allez, deuxième question. J'en prends que trois. Hein. De toute façon, je ne peux pas en prendre plus. Bonjour. C'est déjà beaucoup. Attends, il faut s'élever aussi. Bon, sinon, bonjour, je suis Brahima Camara. En écoutant les interventions tout à l'heure, je n'ai pas hésité à penser à un écrit du directeur Pascal Boniface. Concernant les relations internationales et la morale. Les relations internationales et la morale. Parce que là, je me dis, comment l'Europe peut-elle se contenter de penser, donc PANSER, le problème de la migration, sans repenser sa politique étrangère. Très bien, merci. Troisième question, très vite. Je ne prends pas plus. Oui, alors bonjour. Alors en fait, ma question, c'est à propos du Maroc, parce que c'est le seul pays que vous n'avez pas cité dans la région. Et au jour d'aujourd'hui, qui se distingue notamment par le fait qu'il soit un rempart contre le terrorisme, qu'il soit un atout dans la politique énergétique au jour d'aujourd'hui. On a vu la réussite de la COP21. En ce qui concerne la politique européenne de voisinage, c'est celui qui a obtenu quand même un assez bon statut avancé et qui se voit aujourd'hui quand même freiné malgré tout son potentiel et toute son importance par une organisation, on va dire, de l'Union européenne au niveau de ses institutions, à savoir le Tribunal européen et le Conseil européen, qui a le tribunal qui a donné lieu à un accord, l'annulation de l'accord agricole. Alors, au juste, le Maroc, aujourd'hui, dans l'Union européenne, quel état des lieux? Merci. Donc je donne une minute, pas plus, une forme de conclusion pour les orateurs, puisqu'il est pratiquement 16 heures et nous devons faire la pause et ne pas déborder dans le temps. Merci. Allez-y. Ouais. Bon, je vais essayer de faire en style télégraphique. Le règlement de bureau de Dublin, oui, il faut le réformer. Il y a un projet en cours qui normalement vise à intégrer le mécanisme de relocalisation qui est provisoire, inapplicable, inappliqué, mais bon, la réforme proposée, c'est de l'intégrer dans la réforme de Dublin. On espère au Parlement européen pouvoir faire bouger les lignes à ce moment-là. Compte tenu du rapport de force, je ne suis pas sûre que ça arrivera. Sur la crédibilité des règlements européens sur les réfugiés, le problème, c'est qu'il n'y a pas, quasiment pas de texte au niveau européen sur la question des réfugiés. Je disais tout à l'heure, les États membres ont refusé un véritable statut européen pour les réfugiés. Il y a des mesures de protection des réfugiés qui uniformisent un minimum de droits dans chaque pays. Mais il n'y a pas de statut. Et le texte qui est en cause, c'est la Convention de Genève, qui est une convention internationale. Les États en sont signataires, mais voilà. Sur le Maroc... j'étais en délégation Maghreb la semaine dernière sur cette question-là. On est dans l'Union européenne,
excusez-moi de le dire comme ça, dans un système dans lequel il y a des instances judiciaires qui sont indépendantes. La Cour de justice de l'Union européenne a pris une décision qui ne remet pas en cause l'ensemble de l'accord agricole, mais seulement quelques protocoles et seulement pour partie, parce qu'elle a fait un certain nombre de réserves compte tenu de la situation du Sahara occidental. Ça ne remet absolument pas en cause l'ensemble des accords entre l'Union européenne et le Maroc. Je sais ce qui circule au Maroc actuellement. Je sais que le Maroc menace, voire a interrompu ses relations diplomatiques, a interrompu, je sais, j'ai eu le briefing sur le sujet la semaine dernière, donc a interrompu ses relations diplomatiques avec l'Union européenne. C'est disproportionné. En Europe, dans la plupart des pays de l'Union européenne, la justice est indépendante. Le service des affaires étrangères a expliqué tout ça aux dirigeants marocains. Ça me rappelle des mauvais souvenirs sur l'accord de coopération judiciaire et policier avec la France. Hein. Je trouve là qu'on ferait mieux de tenir compte de la réalité du droit. Ce n'est pas la peine d'affoler les Marocains pour un sujet qui en vaut la peine sur la question du Sahara occidental, qu'il faudra bien arriver à régler un jour. Mais ce n'est pas en faisant des menaces de ce genre qu'on va y arriver. Ensuite. Qui, En une minute, sur la politique migratoire et la politique étrangère. Est-ce qu'il faut repenser l'une à l'aune de l'autre ? La première chose, d'abord, c'est que la crise des réfugiés, c'est pas de la politique migratoire, c'est de la politique, c'est du droit international humanitaire, c'est du droit international des droits de l'homme. Donc il faut d'abord avoir une politique étrangère et une politique interne qui soit cohérente sur cet aspect-là. La deuxième chose, sur les aspects migratoires, parce que les uns et les autres sont liés, une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des acteurs dans l'Union européenne sont des pays qui n'ont ni une tradition d'accueil de migrants, donc pas vraiment de politique migratoire de ce point de vue-là, ni une tradition de politique étrangère, en tout cas vers les pays d'origine et les pays de transit. Donc c'est pas un problème de repenser, c'est un problème de penser. Tous les États européens ne sont pas du tout au même niveau là-dessus, n'ont pas les mêmes traditions, n'ont pas les mêmes outils, n'ont pas les mêmes perceptions, n'ont pas les mêmes opinions, et le choc vient de là. Cela dit, à l'ECFR, une des choses sur lesquelles on va travailler, mais qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'idée un peu simple de le problème, c'est les pays de l'Est qui réagissent mal et manquent de solidarité, parce qu'à l'Ouest, tout le monde est solidaire, c'est bien connu. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et donc il faut essayer de trouver une solution qui tienne compte de ça et pas qui crée et rende plus abrasives des tensions à l'intérieur de l'Europe. Et le troisième point, c'est absolument, il faut avoir une articulation entre les deux. C'est un sujet plus large, de l'interdépendance, l'interpénétration entre l'interne et l'externe, j'en avais un peu parlé, mais il faut juste éviter de dire que tout est dans tout et inversement. Chacun a ses mérites propres. Une politique étrangère doit pas être faite à l'aune d'objectifs migratoires, et une politique migratoire doit pas être construite uniquement sur la base des intérêts extérieurs qu'on a. Et toute la difficulté, justement, que fait l'interpénétration, c'est que ça oblige à faire converger les deux, alors qu'on voudrait pouvoir avoir des objectifs et des approches différenciées. Juste pour dire que quand j'ai eu le plaisir de faire partie d'un groupe des sages avec un ami italien, Mario Monti, parce que on est à l'aune de l'Italie presque aujourd'hui, nous avons un des grands thèmes sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, c'est effectivement la question démographique en Europe. Et le fait qu'il y a très peu de doutes que d'ici, dans les 20-30 prochaines années, si on regarde les systèmes des retraites, les besoins d'emploi, etc., on aura besoin de entre 70 et 90 millions d'immigrés, de non-européens, sur le continent européen. C'est ce que les démographes nous disent. Après, on peut se battre sur les chiffres, mais c'est énorme. Et donc, la question n'est pas si, mais comment. Comment ils doivent venir ? Sous quelles conditions ? Comment la coopération européenne doit les y aider ? Comment ils s'intègrent dans nos sociétés de façon différenciée en Europe ? Comment l'autre, en quelque sorte, peut amener... Comment l'Europe peut amener ses autres chez nous ?
et les rendre européens. Ça, c'est vraiment un des plus grands défis qui nous attend. Et c'est celui-là qui est juste à la frontière, effectivement, avec toutes les nuances que Manuel a données, mais à la frontière entre la politique étrangère et la politique interne, parce que après tout, je crois que ça, c'est quand même un grand thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus parler de politique externe et interne. Tout ça, eh bien, c'est justement la politique, tout simplement. Très bien, merci. Enrico Letta. On est à la fin. J'ajoute simplement que les deux sont liés. Mais surtout, ce que je trouve, c'est qu'on est, moi je pense, sérieusement dépourvu d'une idée stratégique européenne pour faire face à ce grand sujet que sera central dans les prochaines 10 années. Ce sera central soit qu'on puisse résoudre, comme tout le monde espère, rapidement la question des réfugiés syriens, soit qu'on la résout pas. Ce sera un sujet, celui de la mobilité dans l'espace de la Méditerranée, autour de l'Europe, qui sera central. Et ou bien nos démocraties et notre Union européenne trouvent la façon de résoudre, de trouver des solutions et surtout de parler avec nos citoyens, ou bien ce sera, je pense, une des plus grandes catastrophes politiques. Si on ne voit pas les conséquences sur les enjeux politiques et le panorama politique de nos pays, de la question migratoire, on est complètement aveugle. Et ce sont des changements qui, ou bien on cherche à trouver des solutions et on prend le sujet comment dit-on en français, à bras raccourci, à bras le corps, voilà. Ça, c'était le chef du village gaulois. Ou bien on le prend à bras le corps, ou bien tout ça est simplement impossible. Et si c'est impossible, c'est quelque chose qui va bouleverser nos sociétés sans que nous soyons en condition de trouver des solutions. C'est en vérité pas seulement quelque chose d'européen. J'aurais imaginé, quand j'avais vu le sujet de notre table ronde, qu'on aurait parlé aussi des conséquences des élections américaines sur notre politique de sécurité et de défense. C'est un sujet qu'on laisse pour une autre table ronde. Mais c'est un sujet sérieux, je crains. Très bien, merci. Donc je remercie mes orateurs qui ont été, je pense, de très bons débatteurs et très complémentaires. Et je remercie également le public pour ces questions très judicieuses. On se retrouve dans 10 minutes après la pause.